effectivement, sur le stream, c'est ça qui a été. Yep, j'étais à 0. Là, c'est remonté. Bonsoir. Vous pouvez parler, hein, les garçons. Vous êtes timide. Là, le timer finit, parce que moi, il reste 30 secondes. Hein. Ah. Moi aussi. Hein. Hubert, maman. 30 secondes. Oh, waouh. Incroyable. Bon, on vous attend, en tout cas. Mais bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Bon, F5, hein. Non, ça va être compliqué, là, ouais, ce soir. Même F5, ça n'a pas suffi. Ah ouais. F5, hein, on est toujours... Ah, yes. Non, moi, de toute façon, je dis OBS qui est toujours rouge. Hein. Hein. Deux. Yes. Bonne année. Yeah. Du coup, bah ouais, super, si super, ça lag. Sachez que c'est normal, je reviendrai vite. Pareil. Okay. Oh. Bonsoir, et bonsoir. Bonsoir Rao, bonsoir Etico. Comment tu réglé aujourd'hui? Bonsoir Lad, bonsoir Julius aussi, bonsoir, que je vois en Soum, je crois. C'est qui Lad? C'est un collègue de boulot à moi. C'est le Christ. Est-ce que quand tu entends le mot toboggan, tu peux écrire toboggan dans le chat, s'il te plaît? Pour voir un petit peu le délai, s'il te plaît. Juste en vocal, il y a du délai sur le rire. Ah, super. Sinon, tu balances une émote, hein, Miri. Quoi? Balance une émote dans le chat. Hein. Attends, je vais couper Netflix. Ah ouais, attends. Je vais couper ça. Je suis mis super petit. Natural Ones. Oh, on a égalité avec Miri. Moi, je vais balancer les stats. T'es soi, là, t'es en live. J'ai c'est tout ça. Quitté, là. Hé, hey, j'ai fait le plus de 20. Incroyable. Ça, c'est les 20 coup de boule, ça. De quoi il parle? Non, je sais, je vais écrire tout ici. Bref, du coup... Parce que le 20, c'est... Ça c'est bouge tout seul. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Vous savez quoi? Hop, voilà. Vous entendez plus, les garçons. Hop. Je coupe aussi mon casque. J'arrive pas à me concentrer. Du coup, nous sommes de retour pour que le MJ nous joue un mauvais tour. Puisque ça faisait longtemps, d'ailleurs, Lad, du coup, quand t'es arrivé, on était en stand-by par rapport aux sessions JDR, normalement le mardi soir, donc c'est JDR. Donc avec Kiri, Miri et Etico, avec ceux avec qui on jouait du coup à Escape the Backroom, en attendant que Etico soit OP pour la suite de la campagne. Bonsoir Jean-Michel Guy, comment tu vas? Et du coup, ça fait quoi? Octobre, novembre, qu'on y joue plus, qu'on a fait une pause. Je lag, oui, je lag sa mère. Oui, je sais pas pourquoi. Je saurais vous dire pourquoi dès que je lance OBS. Mako dit nope. Après, si, c'est parce que ça pompe beaucoup, mais voilà. J'ai pas changé la position de ma Wi-Fi, etc. Donc voilà. On va tester, hein. Je vais le regretter direct. Je vais le regretter instant de bouger ma tour. Ah, non, peut-être pas. On va voir. Là, le speed test me dit c'est mieux. Mais, c'est l'importation qui compte. Et là, j'ai l'impression que ça va faire avec. Je regarde. JDR, donc, sur l'univers de Nalubuck, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller écouter, du coup, la série audio, qui est très drôle, qui est incroyable. Donc, univers. Médiéval fantastique, hein, enfin de voilà, qui, et en fait ça parodie un petit peu tout ce qui, enfin même, je pense que c'est une parodie de l'univers Donjons et Dragons un peu, enfin ou même de tout ce qui est médiéval fantastique de manière. Février, la dernière session. Ah oui, c'est vrai, on est en mai, putain, je suis con. et du coup voilà. On retrouve tout ce qui est en lien avec la fantasy, les espèces, les différentes espèces
Genre naine, elfe, orque, humain, semi-elfe, patati patata. Les classes aussi d'aventuriers. Et donc en fait, on incarne donc des aventuriers avec une fiche perso qui a été faite pour nous, je crois, en fonction des stats, donc du tirage de dés. Bref, ça y est, on est repassé vert, incroyable. F5 peut-être, ça ira mieux là normalement. Du coup, donc on est trois aventuriers. Miri incarne, attendez, Felsen, du coup, un nain venu des montagnes du Nord. C'est un forgeron concepteur qui était mal équipé au tout début, mais qui, je crois, commence à avoir un équipement décent. Il se balade à dos de sanglier qui s'appelle le Pferd. De ce que j'ai noté, il a de l'imagination, mais pas les compétences pour la fabrication. Voilà. Et il a un surnom, c'est l'Empaleur. Ensuite, deuxième aventurier que nous avons, c'est Klaus. Klaus! Homme de la jungle, Klaus. Attends, c'est quoi déjà? Klaus de la jungle. Voilà. Très primitif, il ne comprenait en tout cas au début de l'aventure que quelques mots. L'empaleur, oui, il me semble que tu as empalé plusieurs gobelins, plusieurs personnes au bout de ta broche à cuir là. Ensuite, donc, je disais Klaus, il ne comprend. Donc, c'est un homme qui a vraiment grandi dans la jungle. C'est pas le réparateur. Non, non, pour la. C'est vrai. L'empaleur réparateur, c'est vrai. Il répare vos genoux en un seul coup. Attention. Il first try. F5 égale délai normal. Nice. Bonne nouvelle. Du coup, pour en revenir à Klaus, il a grandi dans la jungle, du coup, il n'a pas connu d'humain à part jusqu'à ce qu'il nous rencontre. Du coup, il comprenait que quelques mots par déduction, donc langage très rudimentaire, mais ça y est, ça commence à aller là, Klaus. Bon, et c'est toujours un peu dur, mais on arrive quand même à faire une conversation plutôt. Voilà. Par contre, dans ses manières de se battre, lui, il répare pas. Alors moi, j'ai lui donné le, enfin, mon perso lui a donné le nom de le. C'est un boucher. C'est Klaus. C'est vraiment un boucher. Voilà, terrible. Et ensuite, on a le dernier perso de l'histoire, donc mon perso, Lysfendril, qui est un elfe, pardon, sylvain, ménestrel, du coup. Il vient d'un bois qu'on peut voir d'ailleurs, le bois de Entalamelac. Où est-ce que j'ai ça là? Le bois de Entalamelac qui est là, voilà. Il a vécu en autarcie. Alors j'ai pas, je peux pas vous donner trop le les. Si je peux vous dire que Felsen vient de par là, je crois là, à peu près là, ici, là, dans les montagnes là, du nord. Et ce me semble. Ah voilà, le MJ est en train de tracer les différents chemins. Voilà. Et notre Klaus vient de la jungle d'Amuka. En fait, donc moi je suis un elfe vraiment qui a vécu en autarcie, qui connaissait pas grand-chose au monde, qui est très naïf comme beaucoup d'elfes sylvains d'ailleurs. En fait, ce qu'ils savent pas forcément, c'est mon background, je vous le donne quand même. Pour mes 30 ans, on a fait un peu trop la teuf, on a fait une partie de cache-cache, je me suis perdue, je me suis faite super chaud, je me suis faite enlever par des marchands d'humanoïdes, on va dire, enfin, des marchands d'esclaves. Et du coup, j'étais un peu homme à tout faire, à qui pou là. Sauf qu'un jour, j'ai entendu parler de Merlin le chanteur. Et j'ai beaucoup aimé toute la discographie, on va dire, de Merlin le chanteur. Et du coup, j'ai voulu devenir ménestrel. Et depuis, donc, j'ai réussi à devenir ménestrel et à acheter ma liberté. Et là, en fait, suite à un rêve que j'ai fait, j'ai décidé de partir à l'aventure pour ma gloire future. Voilà.
Donc j'ai rêvé de Klaus et de Felsen, et j'ai la conviction que j'avais la conviction que ce rêve allait me mener. Non, pas de couilles de bites, s'il vous plaît là, les garçons. C'est les collines d'Altrouille et pas d'Alcouille. Et donc, qu'est-ce que je disais? Suite à ce rêve, j'avais la signification que ça allait me conduire à la gloire, donc j'ai décidé d'aller là où les chemins mènent à tout le manoir. C'est faux. Enfin bref, là où, au point de convergence, et j'y ai rencontré donc Klaus et Felsen. Et en fait, là a commencé du coup notre première quête avant notre périple. On est tombé sur un village fantôme. Donc là, je fais un peu comment on dit, le débrief de tout. On m'a dit, si tu fais un rappel super long, c'est bien. Le MJ, il a besoin de fignoler des trucs. Donc voilà, je fais mon intro super long. On va reprendre étape par étape. Bonsoir Maeva, comment tu vas? De quoi comment ça? Ah! Etiko, on va avoir un problème. Il y a la sœur qui est en train de faire une crise de jalousie parce qu'on fait du Ginernalbeug sans elle. Ah. Alors qu'on n'a pas repris la campagne JDR avec la compagnie étoilée. Parce que du coup, on est sur deux campagnes. Enfin, Etiko gère deux campagnes, celle avec la team du mardi soir et celle avec des potes de Bordeaux. Du coup. Tu es outré. Eh bien, sois outré. Écoute. Donc, première quête qu'on a eue, c'est on est arrivé dans ce magnifique village qui n'est plus en ruine d'ailleurs. Ah oui, non, il n'était pas en ruine d'ailleurs. C'était dans un magnifique village, juste. Et sauf qu'il avait été attaqué par apparemment des gobelins. Et la seule personne qui est restée dans ce village, c'était le bourgmestre Huel. Bourgmestre Huel qui nous explique que du coup ils ont été attaqués et qu'ils voudraient qu'on aille fumer les gobelins, le campement de gobelins. Voilà. Ah, d'ailleurs, sachez que cette quête a fait l'objet d'une chanson aussi. Voilà, ce fut ma première reprise sur le live. Il faudrait peut-être que je vous la réenregistre d'ailleurs. Bref. On a poutré les gobelins, donc on s'est rendu au campement des gobelins, on a poutré, donc il y a eu plusieurs combats à ce campement. Ça charge, ça charge. Le MJ est incroyable, il nous met les maps en plus. On a poutré le camp des gobelins, sauf que donc on a fait la première partie là, et après donc on a clear la deuxième partie. Et en fait, on a découvert qu'il y avait une grotte dans la montagne. Et dans la grotte de la montagne, il y avait cette madame captive. Et si vous regardez bien, par exemple, Maeva. Ah non, mais Maeva n'était pas là. Bref. Madame, somme peu, un peu particulière, puisqu'elle semble être hybride. Elle a des pieds de crapaud, de grenouille, crapaud, grenouille, amphibien. Bref. Et elle a été capturée par les gobelins. On l'a libérée, et du coup, elle nous a soigné un petit peu et on a fait un autre gros combat du coup contre la patrouille gobelin qui revenait. On leur a tous poutré la gueule, ça s'est très bien passé. Juste Klaus qui a fini avec un trou dans le bidou, mais tout va bien. Et en fait, de retour au village, eh bien, il n'y avait plus de village, juste des débris anciens, enfin, juste des ruines. Et en fait. Non, c'est avant de retourner au village, en fait, quand on a sauvé tout le monde, il y a la meuf là qu'on a sauvée qui était en mode bravo, clapou, 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 vous avez réussi, vous nous avez bien divertis, j'ai gagné le pari. Puisqu'en fait, cette madame, c'était la déesse de Euclide, c'est ça? Bah, bref, une divinité qui s'ennuyait et qui avait fait un pari avec le dieu Cornetto, c'est ça? Enfin, le dieu de la guerre, enfin de. Bref. Et en fait, tout régulièrement,
ils organisent cette quête et tout pour se divertir. Et ils font des paris de qui va crever ou pas. Voilà. Et donc, de retour au village, Bourmestruel n'est plus là, mais il y a un vieil homme qui nous susurre à l'oreille de ces mots doux et vieillots une énigme, un oracle ou une énigme. L'énigme est la suivante. Pour trouver l'objet de votre désir, il va falloir vous dégourdir. Rendez-vous dans un pays frontalier. Venez braver tous les dangers. Encore deux fois ne seront pas trop. Surtout, n'allez pas au galop. C'est ici que vos chemins se sont croisés, mais une seule piste reste non tracée. Après une brève discussion, tout le monde s'est mis d'accord pour aller, pour aller, pour aller. Là, je peux pas, terme de fang. Hop. Pour aller du coup au chemin blanc, pour suivre le chemin blanc qu'on a fait. Donc on est parti de là. On est allé à plus truc doux là. Alors c'est quoi? Attends, parce que là j'ai lu la chanson. Donc la chanson que j'ai faite, la petite balade que Lys Fandril a faite, c'est sur un air de Pirouette Cacahuète, pour vous donner le level. On s'est. Ah, non, d'abord, on s'est d'abord arrêté au donjon de Yujo. Donjon qui avait, où il y avait écrit niveau 3 et plus. Nous, on était niveau 2 grand max. Felsen et Klaus étaient grave chauds pour aller quand même tenter leur chance. Heureusement, Lys Fandril a réussi à convaincre Klaus que ça pue un peu du cul. Et finalement, on s'est barré. Du coup, on est arrivé à ce charmant village, le charmant village de Ploroudou, sur Sblouf, pardon. Ploroudou sur Sblouf, où on s'est présenté en tant que touriste. Donc Klaus, il est niais et touriste, c'est ça? Et en fait, on découvre dans ce village qu'il y a un chasseur de vampires qui suspecte, qui pense qu'il y a deux vampires qui se cachent parmi les habitants de ce village. Donc nous, notre petit trio commence à faire une petite inspection, etc. On découvre des personnages hauts en couleur comme petite dédicace à la magicienne aigrie là et peu avenante qui vit là toute seule. Et en fait, on finit par donc découvrir un cadavre dans la maison des médecins. Cadavre qui, a priori, a été mordu. Post-mortel, qui présente une morsure de vampire, mais post-mortel. La nuit, on a visité le cimetière et on a découvert du coup le médecin, il me semble, hein, en train de déterrer un cadavre. Et donc il dit qu'en effet c'est un vampire, mais qu'il ne tue pas, il prend du sang sur les cadavres. Donc techniquement c'est un vampire gentil. Klaus Effelsen ne veut rien savoir, il l'attaque, le blesse, et du coup Virgile prend la fuite et on le retrouve dans son cabinet médical. Et en fait, il se trouve que du coup, on retrouve Virgile en train de pleurer la mort de Sandra. C'était sa meuf. Puis il du coup, acculé. Et devant l'animosité de Felsen et Klaus, il les attaque. Ah non, il attaque Felsen puisque en fait il le prend responsable pour sa mort puisque en fait le sang aurait permis à Sandra de a priori de se soigner. Mais voilà. Du coup, Felsen et Klaus font une boucherie monumentale. Lys Fendrill n'arrive pas, enfin essaie de les raisonner, puis. On capture Virgile, sauf que en fait, on me fait genre, enfin, on fait genre à Lys Fendril, il va y avoir des pourparlers et tout, sauf que Klaus, il met fin à tout et il décapite les vampires. Donc Lys a failli quitter le groupe à ce moment-là. Felsen a été un peu choqué, mais il s'est mis à dépouiller la maison, voilà. Et ensuite, ben, on s'est après une bonne nuit de sommeil pour se remettre de nos émotions. On s'est rendu à la cité sylvestre de Talerfin. Forcément, c'est notre faute, je trouve qu'il mérite son châtiment. On va pas re-rentrer dans les détails. Ah oui, vous avez le résumé par le biais de Lys Fendrig, d'ailleurs, hein, il n'est pas du tout objectif. Donc,
On rentre dans la forêt de Chipak, on va donc à la cité civile de Talerfin, où là, d'abord déjà, entrer dans la forêt de Chipak, on se fait attaquer par des loups, et un cavalier maudit d'ailleurs, hein, par la même occasion. Voilà, tout va bien. Puis donc, à la cité de Talerfin, on découvre donc le roi des elfes avec ses petits sujets, et en fait, ils ont un problème, c'est que la princesse s'est faite enlever par des elfes noirs. Voilà. Et donc là débute une quête secondaire, du coup, où on doit essayer de retrouver la princesse et de la ramener. Alors là, quête secondaire où les objectifs divergeaient. Lysfendril, en tant que bon être sylvain, voulait aider le roi d'une communauté cousine. Felsen n'en avait rien à foutre, et tout ce qu'il voulait, lui, c'était essayer de faire genre on retrouve la princesse, mais il voulait choper le beurre, l'argent du beurre, enfin bref. Ça puait l'entourloupe, bref. Donc, pour commencer à essayer de retrouver du coup la princesse Eve qui avait été enlevée, on a commencé à enquêter au niveau du village, enfin de la ville des Elfes Noirs. Très belle ville, si ce n'est que elle est dirigée par des truands, hein, des tyrans même. Et du coup, donc là, Myri a mené une magnifique session de JDR, d'ailleurs, quand on a découvert cette ville, parce que c'est Myri, donc Felsen, qui allait, je pense, tout seul, du coup, il me semble, là-dedans, puisque Klaus avait raté ses jets de sauvegarde, et comme il est agoraphobe, il était en PLS devant tout le monde, donc il est resté en haut d'un arbre, et il me semble que Lysfendril, oui, est resté alentour, enfin, à espionner de loin Felsen pour s'assurer que tout allait bien. Parce que Lysfendril se chiait dessus aussi, à l'idée de croiser des elfes noirs. Voilà. Et Felsen, donc conquérant, arrive à savoir que la princesse avait été vendue à un certain... attendez, je sais plus. Elle a été en tout cas vendue au donjon de Fartog. Voilà. On fait aussi la connaissance de Talra, une petite fille elfe noire qui a essayé de voler Felsen, expliquant qu'en fait sa mère allait être tuée dans quelques jours puisqu'elle n'avait pas pu payer les impôts. Et que si elle ne remboursait pas, si elle ne payait pas les impôts plus l'amende de retard, eh bien, elle est crevée. Donc, on prend Talra sous notre aile, on va au donjon de Fartog, et déjà, on se fait fumer, on se fait dépouiller par la gonzesse là, à l'entrée qui nous fait payer des droits de passage, des droits d'entrée dans le donjon. Voilà. Parce que oui, c'était un donjon un peu bizarre où il fallait payer les droits d'entrée. Il y avait une caution en fait, et voilà. Alors, The Secret City, on l'a. On avait commencé à y jouer avec Kitiko et on a assez vite. Donc, finalement, on l'a assez vite arrêté parce qu'il est très dur. Je trouve que, enfin, niveau jouabilité, il est assez dur. Surtout les parties combat. Sherlock Holmes de Evoke, non, mais je crois que je l'ai. Sinon, donjon de Fartog qu'on a quand même, je crois, fouillé de fond en comble. On a fait quelques petites rencontres. Du genre un démon qui était prisonnier dans un pentacle que Klaus a libéré. Il se trouve qu'il s'agissait de Fartog, en fait, le propriétaire des lieux, qui avait été capturé
Et voilà, et du coup, il a buté absolument tout le monde une fois que. Enfin, tout le monde du donjon, pas nous. Et après, on a quoi? Si, on a. Si Felsen et Klaus ont fait de la grillade d'araignées géantes, on n'a même pas eu le temps de voir l'araignée, qu'en fait, ils ont foutu le feu aux toiles. Il y avait tellement de toiles partout que, hop, elle a cramé instant. Ils ont fait aussi de la charpie d'harpie. Lysandry, il a failli crever d'ailleurs plusieurs fois à cet étage, enfin à ce moment-là. On a été attaqué par, enfin non, ils ont attaqué aussi dans leur folie meurtrière des hommes lézards alors ils se chiaient dessus. Ils venaient d'être attaqués par Fartog et voilà quoi. Et ensuite, et ben du coup, à la fin du donjon, on a réussi à trouver la princesse qui était vivante. Ouf. On est retourné à la cité des elfes noirs pour du coup que Talra rende son paye son dû. Sauf que là, du coup, on s'est fait lamentablement extorquer par le chef là. Et on a quand même réussi à sauver la Mantalra grâce à Klaus qui, on ne sait d'où, est riche comme Crésus et sort des pépettes de ses poches en veux-tu en voilà. Et ensuite, et bien du coup, on avait réussi à revenir à Tallerfin, on a fait une fête en notre honneur, puisqu'on a sauvé la princesse. Et ensuite, on a été à Boulgourville pour les préparatifs, pour se préparer, puisque maintenant, on doit aller au désert des plaintes. Voilà. Et à Boulgourville, il y avait une tombola. Pourquoi je peux pas aller à Terre de Fang? Hop. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller au désert des plaintes. Et Felsen avait remporté à une tombola une boussole enchantée qui, je crois, nous montre. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils écrivent encore comme conneries, les gars? Bonsoir. Ah merde, c'est vrai, on vous entend pas parce que je me suis mute sur Discord aussi. Bonsoir! Allô? Bonsoir. Ça y est, ça marche. Bonsoir. Ah, c'est pas là que je veux bouger. Je suis arrivé pile au moment où tu réagissais à ce que j'ai écrit. Bien. Enfin, j'ai remis parce que j'avais coupé le son à un moment donné et j'ai remis le son pile à ce moment-là. Bah, et Tico, Ma il a dit. faute. J'ai dit, je vais en Terre de Fang. Il m'a dit, vas-y, amuse-toi. Je me suis amusé. Par contre, je sais pas comment on supprime. Hein. Je vais Bon, faire le MJ, il a la le main. contrôle A. Juste pas essayer de supprimer le reste. Du coup, voilà, Parce je qu'il n'y me a pas suis. contrôle Z. C'était assez long? C'était pas trop Ouais, court ça le va, non. résumé? Ah, Non, ça va. Oh, ça va, Je à peine pense que tu aurais pu 45 faire un minutes, peu hein. plus, À mais peine 45 minutes, bon, ça, je sais Non, pas trop. 30 minutes. Ça aura permis au stream de rattraper le délai. Donc c'est fine. J'avoue. Et En du tant coup, qu'écho, c'est chaud. juste parenthèse, Maeva, Sikin City, ça pourrait bien te plaire. Il y a bien l'ambiance Lovecraft, mais par contre, je pense que tu vas en chier pour les phases. En fait, y a plusieurs types de gameplay. T'as un gameplay où tu dois remettre les événements dans l'ordre. T'as un côté enquête, mais t'as un côté aussi, il faut poutrer des mobs. Déjà, juste moi et Ethico, on n'y arrivait pas. Enfin, c'était compliqué. Je pense que toi, ça va être terrible. Puisque c'est du FPS. Voilà. Moi, je pense qu'il n'est pas si dur que ça. C'est juste Ben que on en c'est chie. trop Hein. En violent. fait, le problème aussi, c'est qu'il y avait aussi. T'avais accès à tout, en fait, dès le début. Et du coup, t'avais pas mal. C'était très facile d'aller dans des zones qui n'étaient pas de ton niveau, en fait. Et nous, c'était ça, on était bloqués parce qu'on savait pas trop. Enfin, même les quêtes qu'on avait, elles étaient trop haut level pour nous. T'as pas beaucoup de balles dans le jeu. Et oui, du coup, c'est vrai qu'il y avait la gestion des munitions aussi qui était terrible. Il n'y a pas un mode Aucune facile, idée j'en si un sais mode rien. facile. S'il y en avait un, on ne l'a pas pris. Ah non. Oh bah, du coup, pour moi, le mode normal, il était hardcore quand même, non?
Je sais pas si on était en normal. Enfin bref. Par moi ? Hein ? J'ai d'attaque sur... Lys. Pourquoi ? Hein ? Comme ça. Une question. Mais si je fais une réussite critique, ça va me la gaspiller ? Quoi ? Alors attends, c'est où ? L'attaque, c'est quoi ? Attends, c'est où déjà ? Je comprends plus. Inventaire. L'inventaire. Attaque avec l'arme de... Pour voir si tu connais encore tes trucs. C'est inversé, non ? Non, c'est plus. Ça. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Plus c'est petit et moins c'est bien, c'est ouais, ça ? Faut faire en dessous. Non, plus c'est petit, mieux c'est. Ah, donc c'est comme dans Baldur's Gate. Ah non, ah bah non, c'est l'inverse du coup. C'est ça, voilà. Oui, je savais qu'il y avait une couille dans le pâté. C'était le système inverse. Ah oui, en effet, Assassin's Creed, on a pour un bon moment. D'ailleurs, Maeva, j'ai vu en novembre, là, il y a le nouvel Assassin's Creed qui sort et c'est celui sur le Japon féodal. Voilà, il a l'air incroyable. J'ai réussi. Bravo. Tu attaques quoi ? Clapou clapou, perdre. j'attaque son. J'attaque son jeu, le poney. Poney club, il va prendre une. Il va prendre une. T'as la sucre ! Non, mais je rigole. Non, c'est poney club. Oui, oui. Moi aussi, je rigole. Bon, t'as de la chance. C'est bon, toi, tu rates en plus, donc bon. Ah. Du coup. T'inquiète pas. Suite à la tombola, mes petits amis. Suite à la tombola, vous avez vaqué un peu dans... C'est ça. Vous avez un peu vaqué dans Boulgourville. C'est ça que ça se dit. Oui, vous avez fait des courses. On a mangé du boulgour ou pas rajouté... Hein okay. Oh, vas-y, passe, c'était nul, la vanne. Ok, ok. Ce que je vous ai rajouté... Alors, si vous allez dans les montures, il y a un chameau. Ah ! Ah oui, d'ailleurs, on s'était pas dit d'accord pour qu'on laisse canne à sucre et faire de... On les amène dans le désert ? Ben oui. Alors, t'as dit si on allait où ? J'abandonne. Monture, ah oui, chameau. Alors, j'étais sur Google Images. Prendre une image incroyable. De chameau. Et donc, du coup, ce chameau a un inventaire. T'as vu, Tigo, les messages ? J'ai acheté un pack Assassin's Creed, ça devrait être... Non, en dessous, les deux derniers. Il y a plus partout, il y a un ninja et un samouraï. Putain, cette trahison du MJ quand même, c'est comme si on me trompait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, tu peux dire juste derrière sans elle. Bah, je pense que j'en ai fait plus sans elle qu'avec elle. du coup, ce chameau a un inventaire. La sacoche, là ? Non, le chameau. Ah oui, d'accord, le chameau a un inventaire. Ok, inventaire, qu'est-ce qu'il a ? Ok. Donc, tu c'est 25 chacun ou pour tous ? Bah, c'est l'inventaire du chameau. Ah, on n'a qu'un seul chameau avec nous. C'est pas un par personne. Oui. Ok. Non, non. Ok, ok. Mais du coup, on va marcher à côté du chameau, c'est ça l'idée ? Bah, organisez-vous comme vous voulez, hein, si vous voulez marcher dessus. Est-ce que je peux faire des petites raquettes pour mettre sur mon sanglier pour que quand il marche dans le sable il s'enfonce pas trop. Je te les offre. Si. Pardon. Chez moi j'ai de bricot dimanche pour voir à quel point c'est joli. À quel point c'est joli. J'espère qu'il sera dégueulasse. Plus tu fais un écart fort, plus tu choisis. Genre, si tu fais un 1 et que tu as décidé que c'est dégueulasse, ce sera dégueulasse. Non. Bah, du coup, c'est juste des raquettes. C'est juste des raquettes. C'est banal, mec. C'est des raquettes banales. Du coup, oui. C'est vraiment des raquettes de tennis qui sont attachées. Donc, vous avez un chameau, vous avez. 10 litres de flotte sur le chameau et 25 repas sur le chameau. Plus tu n'auras pas 10 litres de flotte.
Bonsoir Daichi, comment tu vas? Tu connais du coup le JDR Nullbuck? Mais le chameau... Enfin, l'univers du JDR Nullbuck. Yes, on est d'accord. Et vous avez aussi trois... Bon, j'ai mis juste des couvertures d'aventurier, mais c'est en gros tout le nécessaire. Est-ce qu'on peut prendre une baignoire qu'on attache au chameau? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit encore, lui? Elle va totalement s'évaporer, ta baignoire. Bah, non, c'est quoi? C'est plus... C'est... Non, mais tu voulais faire un traîneau. C'est ça? Oui. Pour mettre de l'eau dedans. Ah! Alors, moi, je pensais que c'était pour nous mettre, nous, quoi qu'on ait un marché, quoi. Bah non. C'est vrai que c'était aussi malin, ça fait une luge. Mes pauvres chameaux. Non, moi, je suis déjà sur mon destrier. Ça. Sinon, vous avez aussi des vêtements spéciaux pour vous promener dans le désert sur vous. J'ai géré vos rations et vos gourdes aussi. Merci. Donc, vous avez des trucs sur vous. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le tout va vous coûter environ 40 pièces d'or. J'ai pas l'argent. Je vous laisse vous répartir comme vous voulez, mais sachez que Klaus va réussir à négocier 11 pièces d'or sur tous ses achats. Sur tous les... Sur chaque achat que je fais, là? Non, sur le total. Ah. Vous allez pas comprendre comment, parce que vous faites pas forcément les achats en même temps, mais sachez qu'il négocie très bien, apparemment. Mais what the fuck, hein? Il sait pas parler, il arrive à négocier. Ouais, il s'est bien amélioré, Klaus. Que dire? Vous savez pas trop d'ailleurs... s'il a fait la manche hein, ou s'il a juste été négocié. Ah d'ailleurs, j'ai quasiment plus rien. Je crois Felsen, il a gardé toutes les thunes que j'avais trouvées. Non, mais après, t'as donné presque tout aussi à l'autre con. Là. Non, mais je confirme. Ah non, parce que j'ai c'est la banque. Beaucoup d'argent et je suis presque sûr que j'étais riche comme Crésus. Et je suis presque sûr que j'ai tout filé à Felsen. Moi, j'ai... 50 pièces à rendre à comment il s'appelle? À Klaus. Klaus. Tu le fais pendant la semaine? Du coup, je lui rends les 50 pièces. 40 okay. pièces d'or, t'as dit? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse des prestations et tout pour me payer les trucs? Vas-y. Est-ce qu'il y a moyen que je... Parce que je ne les ai pas, hein. payer une bonne part? Non, mais attends, j'avais une autre truc avec 50 pièces d'or déjà de séparer. Ok. Oui, mais justement, ça, c'était... C'était juste qu'on avait marqué là la dette. Mais il faut quand même la retirer de ta bourse. Ok. Pour moi, c'était une... C'est pas la bourse, mais... C'est bon, j'ai rajouté les 50. Il n'y a pas moyen d'être radin un petit peu sur les dépenses? Vas-y, fais déjà de radin. Hein. Et du coup, Daishinai, ouais, je comprends. Nullbuck Audio, trop bien. bon, pas par cœur, mais j'ai déjà écouté 3-4 fois. Radin, mais... Juste avec mais, mais du coup, je paye pour mes camarades pour notre voyage dans le désert pour me faire pardonner d'avoir été malade. T'as été malade. Oh, incroyable. Oui, il avait été malade et du coup, j'avais acheté un remède. J'avais ou c'est Klaus qui avait acheté? Probablement moi, vu que j'ai tout l'argent du monde. du coup, mais tu m'avais pas déjà remboursé, justement? Hein? Vu que c'est Felsen qui a tout payé, Klaus quand même. Mais j'ai payé 40 pièces d'or, c'est ça? Ouais. Let's go! Je suis à nouveau riche. Voilà. Probablement en faisant la manche. Ok. Donc du coup, ce que vous allez réussir à récupérer comme information aussi en vadrouillant dans la ville, c'est quelques endroits d'oasis. Pour avancer tranquillement au moins le plus simplement possible dans le désert. Je vais pas les noter hein, mais en gros vous en avez au moins un tous les 3-4 jours de marche, surtout au début. Oh putain, ça va être chiant à enlever tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de se mettre tous les états du monde. Ça y est, ça troll. Quand tu te donnes l'explication, je me les enlève, t'inquiète. D'ailleurs, il est tout seul. Moi, j'ai pas mon token. Alors, oui, c'est parce qu'il y a que moi qui vois sur la map. C'est ça. Parce que à la tombola, vous avez gagné un... Je sais plus comment ça s'appelle. Un géolocalisateur quantique, ou je sais plus comment ça s'appelle l'objet. Mais qui fait que la personne qui le tient se voit sur les cartes. En mode... géocalisateur à perception subharmonique.
Ouais, c'est ça. Un GPS. C'est pas loin, exact. C'est plus, j'avais défini comme le petit point dans les cartes Minecraft, le petit point blanc. J'appelle ça un GPS. On appelle ça comme tu veux, mais pas vraiment. Parce que même si t'es pas sur la carte, tu vois où la carte est par rapport à toi. J'ai pas la ref. Redis-moi comment ça s'appelle. Redis-moi comment ça s'appelle. Le géolocalisateur. G. A. Perception subharmonique. P. Ça fait souhait. Ah d'accord, GPS du coup. Bien joué. C'est merde. Je l'avais pas premier degré. Non plus, je ça me pas. Régale. Hein. Moi, je pensais que tu l'avais, que c'était toi qui avais trouvé le nom exprès. Et tout. Ah là là, c'est un vrai item du jeu. Non, là, c'est trop, c'est beaucoup trop travaillé pour celui. Hein. Ça me régale. Moi, je m'arrête à un point menstruel. Hein. ça mérite un point d'inspiration, ça, non? C'est con parce que attends. C'est con, il n'y en a pas. Ah. Il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait encore, non? Le beau menstruel. Le beau menstruel? Ouais. Moi, je l'avais pas en tout cas. Du coup, oui. Pour bah, du coup, je vais. Ah si, attends, je vais pouvoir vous mettre ça. Oh, Dieu, ça me trigger. Hop. Et du coup, Daishnai, ouais. C'est con, t'arrives pile poil quand, quand j'ai fini ma demi-heure du rappel de ce qu'on faisait. Ouais, non, j'ai pas niveau token. Mais en gros, on est des aventuriers, on a une quête, on doit être dans le désert des plaintes, et voilà. Genre, on voit que aussi loin que ça, dans un désert. Je vois jusque-là. On n'est pas prête. Moi, je vois que ça, vous voyez que je. Quoi ? Moi, je vois tout. Ah, voilà, c'est bon, je vois tout. Oui, non, ouais, attendez. Hop. Hop. Ah non. Moi, je pense que là. En gros, j'avais fait résumer des quêtes. Enfin, on avait fait des petites trucs annexes, en gros. Que... On est juste trois personnes qui ne connaissaient pas. On a fait un rêve où on a rêvé les uns des autres et qu'on se retrouvait à un endroit. On s'est retrouvés à cet endroit. C'est juste un fond pour le moment. Et depuis, on suit plus ou moins une quête dictée par une prophétie, en fait. Mais on ne sait pas ce qui nous attend. On sait juste que moi, ça me quand je suis un ménestrel, ça va m'amener à ma gloire. Felsen, je ne sais pas son objectif, mais donc Felsen, c'est un nain. Du coup, est-ce qu'on est forgeron concepteur pour gérer un peu le côté désert, environnement hostile. C'est que pour chaque journée de marche, je vais vous demander un jet de courage. Et on a Klaus, homme de la jungle. Suivant les résultats, on verra comment vous êtes sur la journée d'après et vous allez potentiellement avoir des malus sur votre consommation de bouffe ou de boisson. Bien. Du coup, vos deux premières journées de marche vont se passer normalement, donc je vais quand même vous demander deux jets. Pourquoi ça n'a pas changé de couleur ? Alors, rappel, les jets, c'est jets de quoi ? Courage. 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 Ah, yes. Miri, t'as un jet, t'as avantage toi sur ce jet. Oh waouh. Ouais, je connais. Et moi, normalement, vu que je suis un survivaliste, est-ce que ouais, j'ai droit ? Ouais, mais t'es pas très loin. Non. Tu connais la survivaliste en jungle, mec. Ouais, oh. Deux, hein, t'as dit. Non, toi, un. Hein. Ah oui, vous en faites deux en tout. Ouais. Du coup, j'en fais quatre. Let's go. Putain, 2 19, non, sérieusement. Pas peur. What the fuck, le premier, hein. C'est 7. Klaus, il a pas peur. Oh, nice. Le deuxième, c'est 17. Donc, tu peux compter le journée... 20 si tu préfères. Non, non, de toute façon, forcément. C'est à la discrétion du MJ. Hein. S'il te plaît. Alors, je comprendrais si tu veux le compter. Du coup, sur la première journée, Lysandril, tu vas être vraiment très très mal à l'aise. Ouais. Parce que CRP. Bah, tu connais pas du tout l'environnement, quoi. Mm-hmm. Il n'y a pas d'arbres à l'horizon. Si, les stalers qu'il y a, ils ont des putains d'épines là, ça fait mal. Du coup, et ils sont tout petits. Je te laisse le choix entre augmenter ta consommation de nourriture ou retirer faire un malus de 1 sur une de tes stats. Je suis sorti du désert. Question, dans les cactus, il n'y a pas de l'eau ?
Enfin, t'en sais rien. Un jeu d'intelligence. Alors, soit moi, je perds un truc de nourriture, soit une stat. Genre, est-ce que. Ouais, dans... Mais alors, parmi les stats, c'est quoi? C'est toutes les caractéristiques ou je peux choisir de perdre un PV par exemple? Non, c'est les 5 caractéristiques principales. Est-ce que tu peux me mettre le token de mon. Ouais, je suis en train de chercher. Le grand disque, comme ça. Oui, j'ai grand est-ce que. Hop. Avec les raquettes. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, les autres, vous allez quand même vous enlever une gourde d'eau, donc soit sur vous, soit sur le chameau, et deux, trois repas. Je me suis enlevé mon un de parade. Trois repas, mais j'ai que deux repas sur moi. C'est... Tu l'as enlevé comment? Attends. T'étais à 10 en parade? Ah oui, il faut que je mette à côté. Oui, mais c'est surtout sur les 5 duos. Ah, sur les 5 duos, ok. Plop, là. On va perdre en charisme. Hein. Donc, ouais. Moins 1, c'est ça? Ouais. Et t'as dit quoi? J'ai que deux repas sur moi. Et une gourde. Ouais, mais il y en a sur le chameau. Oui. Mais c'est trois repas chacun ou trois repas total? Trois repas chacun. Oh, énorme! Pour deux jours, ça et va. Oh. Putain. Et une gourde juste? Une gourde chacun. En gros, je vous compte un litre d'eau par jour, ce qui est gentil. On est censé partir combien de temps? Alors, la traversée, en haute en bas, c'est environ 10 jours. On n'aura jamais assez. On n'aura jamais assez. Non, c'est hein sûr. On avait exprès, on avait dit qu'on avait pris pour combien? Vous avez pris le max que vous pouviez prendre sur le chameau, en tout cas. Et vos inventaires sont full, si vous regardez le poids que vous avez sur vous. Non, mais on a qu'un à sucre et fiable. Non, pas moi. Pourquoi pas toi? Moi, ah, j'ai 6 kilos de rab. Tu veux prendre des trucs en plus? Non. Ah voilà. On sait jamais. Il faut avoir de la place à quelqu'un de fort pour tenir des trucs. Oui, il me restait 4 kilos. En tout cas. Je t'ai enlevé des trucs. T'as pas perdu des sous là? Bah non. Non, j'ai perdu cas, juste 1 kilo de nourriture. Ok. Il est trop heureux dans le désert. Tu sais, il reste 4 kilos, il te reste 1 kilo justement. Tu étais au-dessus de la charge. Bah non, c'est 10 kilos. Moi je suis à 10. Et je suis à 6. Non, t'es à 9. C'est écrit. Et ton stuff aussi. Sur la page principale. Tout en haut, dans caractéristiques. Et tout en bas, ta charge. Ah oui, ok. Ah, c'est mal foutu ça. Ok. Il y a du sable là. du coup, cette deuxième journée va toujours pas bien se passer pour l'Isfendril, si je me trompe pas. Et en vrai, Felsen va un peu perdre patience aussi à force d'entendre Lysandril râler à longueur de journée. Mais Lysandril, il râle jamais. Bah, il traîne des pieds, quoi. Il est pas bien, quoi. Pendant ce temps, Klaus est en train de... Et du coup, vous allez tous les deux avoir le choix à nouveau de bouffer un truc de plus ou perdre une stat. Enfin, perdre un sur une stat. Et on bouffe combien par jour? Je vous ai mis un repas et demi par ration chacun. Bah ça fait une ration c'est un repas, donc en vrai vous avez fait trois repas en deux jours, je suis gentil. Ou sur le chameau si je mets à 16 c'est ok. Ouais tu peux jouer avec chameau hein, pour ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas dire qu'on a. Parce que moi normalement avec Survivalist je peux manger que deux rations par jour. Est-ce qu'on n'a pas un bonus là-dessus du coup en mode je mange une ration de moins par rapport aux autres? Du coup, c'est pour ça qu'il y en a avec 3 du coup. Hein? T'as un repas par jour, c'est ça? En fait,
Normalement, c'est 3 rations par jour. On est censé manger. Ouais. Mais là, je vous ai fait une et demie. Hein. Voilà. Et moi, je suis à 2 rations par jour, normalement. Bah, je vous ai mis à une et demie, donc râle pas. Sinon, je vous mets à 2 et eux à 3. Du coup, techniquement, je suis à une ration, moi, par jour. Parce que j'ai non, un non, tiers qui s'enlève. Abuse pas. Abuse. En plus, ça fait un chiffre rond comme ça. Ouais, ouais. Ça, fait 3, ça fait 4. 4 et 4, 8. T'as vu ? Il est tombé à 13. Hein. J'ai plus rien à bouffer. Hein. Ok. Au bout de. Une ration supplémentaire sur moi. Et moi, j'ai plus du tout de ration. Je mange aussi celle que j'ai perdue. Mais t'as pas perdu une stat déjà tout au premier jour ? Si, mais du coup, le deuxième, j'ai fait un jet de merde aussi, donc là, je suis en train de perdre la ration du deuxième jour. Oui, du coup, c'est 15. J'enlève mes 3 repas de la journée aussi. Là. On était à 25. On était à 25. Oui. On est 3. Enfin, il fallait enlever 9. Non, il fallait enlever... 9 moins 2. Enlever dans son inventaire, quoi. J'en ai, en fait, j'ai mangé 2 rations dans mon inventaire, plus une dans votre chameau, le premier jour. D'accord. Ok. Du coup, on était à... moins 2, donc 18. Et là, moins 1, donc on passe à 17. Et Klaus ? Mais non, parce que j'ai enlevé aussi là, les 3 de la journée là, qu'on va devoir enlever. Mais non, on a fait 2 jours d'un coup. C'est 3, c'était pour les 2 jours. Ah, moi je crois que c'est 3 par jour, c'est pour ça que j'allais dire qu'on avait... Ok, tu peux rajouter les 3 du coup. Les 2 premières journées, j'ai été peut-être un peu gentil. Du coup, vous allez arriver au premier oasis. Et c'est 2 litres indiqué... d'eau pour 2 jours. Ouais. Pour tous c'est... Ouais, ouais, enfin chacun. Ok. À chacun. Ouais. Et vous avez enlevé de l'eau dans votre inventaire ou pas? Moi j'ai encore rien touché dans mon inventaire. Moi une. Ok. Voilà. C'est bon. C'est à jour sur le chameau. 17-3. Parfait. Vous allez arriver au premier oasis indiqué sur votre carte. Et avant d'arriver, vous allez entendre des cris de combat. Bah super. Donc, alors... est-ce que vous décidez... quelle est votre approche, déjà ? Je vais déjà vous... Un peu discret. J'ai chaud, j'ai soif. Klaus est tout excité à l'idée d'aller se battre. Ah, c'est bah pas l'issue à drill, hein. C'était cool, c'est cool comme lieu, mais on s'ennuie un peu. Il y a beaucoup de sable, et on fait pas grand-chose. Même si on mange bien et on boit bien. On n'a pas la même définition de manger, si bien boire. Bien, on boit bien. Hop. Chaudry, il est exaspéré. Il bande quand même. Enfin, il prépare quand même son arc, mais vraiment, c'est le truc qu'il aurait juste voulu. S'allonger dans l'oasis. C'est... Par la parole, non ? Hein ? Alors, du coup, ce que vous allez voir, c'est déjà que l'oasis est. Un peu en souffle, je veux dire qu'il manque beaucoup d'eau. Parce que vous devinez facilement que le niveau d'eau a pu déjà monter jusqu'ici. Et vous voyez un groupe de 4 aventuriers qui sont au niveau de l'eau justement et qui sont en train de se battre contre des scorpions. Oh. Essaye d'avec quel côté ? Pardon ? Ouais. Ok. Moi je pense que Klaus il va juste on les voit bien de loin. Ah oui, vous voyez, en vrai vous voyez tout, hein. Surtout vous avez surplombé la scène là. Est-ce qu'ils ont l'air de galérer ou pas? Alors ils ont l'air d'être légèrement, ouais, ils sont blessés, ils sont en fait vous sentez que les scorpions sont pas forcément puissants, mais qu'ils sont nombreux, ils sont peut-être pas, enfin il y a des cadavres de scorpions un peu partout. Et ouais, ils sont quand même... déjà, ils ont l'air fatigués et assoiffés, et en plus, du coup, submergés. Alors, moi, je vais planter. Non, je vais pointer un des scorpions du doigt, et je vais regarder Falsen, et je vais dire,
Qu'est-ce que c'est? Scorpion. Ça pique. Comment ça pique? J'ai jamais goûté. Tout va bien. Et Klaus, Klaus va courir dans la direction à l'idée de goûter quelque chose que Felsen n'a jamais goûté. Aidez-nous, on est dans un combat, aidez-nous, on ne sait pas comment s'en sortir, il y en a plein qui arrivent, on a juste soif et faim. Faire cette QSD pour se déplacer, c'est énorme. C'est marrant. Attends, juste arrêtez de bouger. Merci. Hop. Pourquoi leur encadré, il est rouge? Peut-être parce que ils sont en combat. Je les ai foutus comme des merde. Non, c'est pas le combat. Comme des merdes. Non, je les ai foutus comme des mobs à la base. Enfin, j'ai été chercher dans le bestiaire. J'ai compté, il y a au moins 1000 scorpions. Comment ça, 1000 Après. Après, Klaus, son point fort, c'est pas les maths. Hein. Ah oui, non, c'est pas toi qui a compté, c'est Klaus qui a compté. Oui. J'ai compté. C'est toi qui référence un acteur qui n'existe plus dans ce monde. De quoi? Hein? S'il y a des refs, je les ai pas alors que j'ai fait les tokens. Mais double clic sur tes tokens. Scorpion. Ok. Je pense que j'ai pas le même fichage que vous, du coup je vois pas ce que vous voyez. This token reference an actor which no longer exists in the world. Ok, putain. Pourquoi il est grand mode, il y a un acteur qui ressemble à un scorpion. Le film Gros Scorpion. Pourtant Dwayne Johnson est toujours vivant. Non, c'est bon, moi j'ai pas le problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer à la va-vite tout leur tour. Il y en a combien? Super. 20. Hop, on va dire 20. Genre là, il n'y a pas les dés d'initiative qui se lancent. Si, je l'ai fait. Ah, j'ai pas les notifs comme quoi, il y a des trucs qui se lancent. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un succès. Enfin, un échec plutôt. 6, 7, 8, 9. Ok. Et pour eux, je vais faire juste vite fait un tour le temps que vous arriviez. J'ai ensuite, juste une question. Oui. On a oublié de faire le plein de mes flèches. Bah si, parce qu'il avait flèches, dit qu'il... Dit qu'on va... Ah finalement, tu m'emmerdais pas avec dessus. Ah si, non. Attends, des flèches de qualité. En fait, c'est les flèches de baston à l'infini. Ok, d'accord. Et les flèches de qualité, après, celle-là, il faut les payer. Donc, si t'en veux un peu plus, il faut leur acheter. Non, mais les flèches de base. Très bien. Ouais, non, flèches de base, flemme. Ouais. Ça me va. Ok. Mais tu vas devoir compter combien il y a de scorpions et lancer pour chaque scorpion. Il y a 22 donc, scorpions. Ou 23. Ouais, moi ouais, j'ai fait 20. Cool. Ah, mais vous voyez pas les dés. Ok, parfait. Non. Ok. Lui va faire ça. Et lui, il est un peu dans la sauce. Il va faire ça. Ok. Donc, ce que vous allez voir, c'est que les scorpions s'agglutinent toujours de plus en plus autour des personnes, enfin des autres, qui sont tous humains d'ailleurs, pour info, qui sont tous là. Il va y avoir une petite dizaine de scorpions qui vont réussir à toucher leur cible. Ce qui va me faire beaucoup de dégâts. Et parmi les quatre personnes, vous allez voir du coup celle qui est tout en haut, qui va essayer de mettre des coups de poing ou de se battre avec ses pieds dans les scorpions, mais qui ne va pas réussir à quoi que ce soit. Un scorpion qui va se faire embrocher par le trident du deuxième.
Ensuite, plusieurs scorpions qui vont se faire sabrer par le troisième. Et enfin, le dernier qui va réussir à mettre un coup de dague aussi dans un scorpion. Est-ce qu'il est beau, son trident ? Magnifique, mec. Okay. Je le mets pour toi, le trident. Du coup, ils vont prendre quelques coups. Je vais leur enlever quelques PV. Hop. Et ensuite, on va pouvoir faire un tour classique. Tu vas jouer les 20 scorpions ? Non, je vais jouer tous d'un coup à chaque fois. J'ai fait 20 des 20, si tu veux une info. Hop. Ça fait beaucoup. Du coup, on va en dégager quelques-uns, à droite, à gauche. Tout ça. Voilà. Donc, on va pouvoir faire un tour classique. Donc, Felsen. J'avance. Et j'écrase un scorpion avec mon marteau. Vas-y, fais ton jeu d'attaque. C'est la pierre, on est d'accord ? Ouais, ça commence à être du sable très dur, slash de la pierre, ouais. Parfait. Inventaire. Attaque au marteau. Non. Du coup, ouais, dans l'élan, avec l'agilité du scorpion, etc., tu vas pas réussir à le toucher tout de suite. Mais tu rentres dans le fight, félicitations. Listen Drill. Bonjour, c'est mon pull avant Klaus. Franchement, oui. Je ne fais pas de... Je pense pas que je pourrais en avoir avec le... Attends, je sais plus, la flèche de givre, elle explose ou pas ? Est-ce qu'elle fait un petit truc comme dans Baldur ou pas ? Ouais, mais c'est de la glace magique, donc je te déconseille de la boire. Mais oui, ça fait de la glace. Non, je veux dire, est-ce que ça fait une petite attaque de zone ? Mais oui, ça fait une... Comment ça ? Genre même si je rate la cible, si ça atterrit au milieu de scorpion... Tu remplis sa gourde avec la flèche. Si ça atterrit au milieu des scorpions, ça peut les geler plus ou moins autour. Oui, ça va gêner les zones, etc. Ok, et bego. Ouais, c'est pas grave. Par contre, c'est comme l'eau, faut la désinfecter avec de la chaleur. Faudra que j'utilise du mana, c'est ça ? Logique, par exemple. Ouais, ça coûte du mana. un par flèche, je crois, c'est ça ? Je regarde, c'est 3 par flèche. 3 oh. C'est écrit sur ton arc, dans la description. Putain, on va faire 10 mètres le soir, là, au secours. Tu tirais où du coup ? Ici là, à peu près. Enfin, plutôt là, ils sont plusieurs. Tac. C'est la bonne couleur. Hop. Oh, connard. On va le remplir. Mais. Ah. Hop. Ouais. Hop. Donc là, vous avez. Est-ce que tu peux faire un peu plus d'effort et choper à le. Oh, c'est chiant de déplacer ces trucs en plus. Hop. Merci. Hop. Mais dites donc. Et du coup, tu vois que l'impact va aussi tuer deux des scorpions. Nice. Hop. Ensuite, du coup, Klaus. Est-ce que ça les détruit quand ils font ça ? Quand ils font quoi ? Genre, ça les a détruits, là, les deux ? Ouais, en fait, l'impact de la flèche, on a tué, plus la glace, et général les autres, quoi. Ah, mais ça les a détruits, non, mais savoir s'ils peuvent les manger, ceux-là, ou pas. Non, ils sont morts. C'est des animaux non magiques. Là, je me retourne et je fais... Les abîme pas ! On pourra pas les manger, sinon ! Et je fonce, et je vais attaquer le premier que je vois devant moi. Dit-il, et qui va écraser. Et ce sera des petites miettes, de la bouillie. Alors,
Je sais plus c'est quel bouton, c'est celui de gauche ou de droite de l'attaque? C'est de gauche. C'est le Let's débat. go. Moins let's go. Du Ah, coup, c'est reçu quand même! tu... Ouais. Je ne sais pas d'où il sort le 5, mais en plus, mais let's go! Bah de la lance, non? La lance, c'est D5 plus 2. Enfin, D plus 7, en gros. Sauf que What c'est the 5 plus 2. fuck? Du coup, c'est lequel que t'attaquais, pardon? Celui-là! Et bah, du coup, tu l'embroches. Et du coup, tu Et je. plantes à moitié ta lance dans le sol, et du coup, si tu ressors ta lance, t'as un scorpion dessus. Ben, c'est ce que je vais faire et je vais sentir le scorpion. Ça sent quoi un scorpion? Le sais sable. pas. Hein. En tout cas, ton instinct te dit que si quelque chose se mange, c'est au niveau de la tête et pas au niveau de la queue. Ah! Du coup, je vais croquer dedans. J'ai Et lâché mon meilleur bien, croc. eh ben ça croque un peu sous la dent, la carapace de scorpion. Mais bah tu trouves pas ça dégueu. Et voilà, t'as un scorpion décapité avec le corps transpercé par sa lance sur toi. Et ouais, je suis en train de chercher Miri, mais on parle trop. Mais j'ai regardé dans la conversation et c'est pas remonté. Il me semble que je t'avais Oh, dit oui pour des trucs comme ça. je vais Ouais, je sais. m'exclamer trop bon! Ouais, Ah! Et finalement tour là-dessus. tout. Attends, je suis en février là. T'as monté sur le ciment ou pas? J'ai regardé sur le truc du JDR. Ah oui, moi je Mais. reste sur Discord. Non, mais sur le Discord du JDR. Ah oui. Excusez-nous, je cherche, mais. Tout. De toute Non, façon, il n'y a je vais pas. refaire un tour à l'arrache chez les autres. Non, il n'y a pas. J'ai regardé avec une petite recherche. Ça remonte pas. Ouais, bah. Non, en vrai, si tu veux avoir des échantillons de test, on peut dire que t'en as. Quel cool du scorpion. Crunch, crunch, crunch. Comment il a fait? Je sais pas. Je crois que vu qu'il n'y a pas de fiche de perso, il n'y a pas de nom propriétaire du scorpion et du coup il peut parler en tant que scorpion. Vous pouvez déplacer les scorpions Ah merde! Je en savais pas. Comment j'ai fait ça? fait. Bon, en fait, c'est que comme vous avez plus le. Enfin, vous avez pas le link de l'acteur, mais ici vous n'avez pas les restrictions. Parce que Donc du si vous voulez coup, jouer ouais, quelques scorpions, allez-y. quand j'ai cliqué dessus, ouais, ça fait que c'est lui qui parle. Trop drôle. Yikt! Non, mais scorpion! D'ailleurs, il est pas. Ah non, bah si, il est pas. Pourquoi il est toujours là? Parce que tu le mangeais, mais regarde si on peut mettre qu'il est mort comme ça, au moins. Il est sur ta lance, donc je voulais le laisser. Hop. Du coup, on va faire un nouveau tour. Vous allez voir de nouveaux scorpions qui sortent du sol. Et je vais relancer un jet de schlag. Hop. Comment ça, il y a des nouveaux scorpions qui sortent du sol. Il y a des nouveaux scorpions qui sortent du sol. Oh! Ok. Du coup, comme tout à l'heure, en vrai, il y a des scorpions qui essaient de piquer un peu partout. Pour le moment, vous n'êtes pas trop pris pour cible parce que vous êtes quand même dans leur dos et ils ne vous ont pas trop remarqué. Donc, ils gardent leurs quatre cibles principales. Et vous allez voir que là, il y a le scorpion qui est tout en haut ici. Il va vraiment bien blesser la dame qui est devant lui. Et elle va tomber au sol de douleur. Elle va se prendre. Hop. C'est Et profond elle va la flaque qui se. reste. Tu vois le fond en tout cas. Ça descend un peu en profondeur par rapport à vous, mais
Mais vous voyez le fond. Du coup, il y a la personne qui est là qui va se tordre de douleur et qui va passer son tour, du coup. Ensuite, les autres. Coup de trident, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Ça se passe bien. Donc lui, avec son trident, il va réussir à embrocher les deux qui sont devant lui. Donc, vous ne les voyez plus. Ensuite, avec son aller-retour de sabre, il va pareil réussir à se dépêtrer un peu, à faire des petits passements de jambes et à se débarrasser d'un scorpion. Et le dernier... Le dernier, il va... Dans le même temps. Ça a coupé un petit peu, je sais pas si c'était comme moi ou... Ah. C'était que toi. Ok. Du coup, je disais, le dernier, en mettant un coup dans le sabre, va se prendre une piqûre de l'autre scorpion qui reste à côté. Ok. Hop. Et du coup, c'est re à vous. Donc, même ordre, donc fais le scène en premier. Miri. Pardon, j'ai tapé. Tapé ? J'ai tapé. Il y a le scorpion devant moi là ? Je continue à l'écraser. Je focus sur son écrasement. Oh putain. Je veux qu'il retourne dans le sol. Et qu'il fasse sortir de l'eau. Qu'il ressorte dans l'eau là ? Non, non, qu'il fasse jaillir un puits d'eau, tu vois. Bon, c'est pas possible, évidemment, mais... Ah oui, ok, je vois. Ça va être compliqué. Mais qui rentre tellement profond dans le sol qu'il y ait de l'eau qui commence à remonter. Bon, en tout cas, il a disparu. Ça, c'est sûr. Laos va crier. Quand même, en fait, scène, il va dire « Non, c'est pression !» Mais il y avait rien. Mais regarde, j'enlève mon marteau et je fais « Regarde, il y avait rien, j'ai tapé à côté. » Et quand il relève son marteau, en fait, vous voyez l'empreinte du scorpion qui s'enfonce dans le sol. Eh ben super. Un peu en mode pochoir. Non, il n'y a vraiment plus rien sous le marteau. Et Felsen s'amuse à taper sur le sol. C'est un tap-top. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, Lysfendril. On va refaire une flèche de glace, j'ai vu que a priori ça fonctionnait bien. Ouf, pas passé loin. Du coup, où qu'est-ce que... Et je sais pas si la zone est assez grande pour choper les 6 là. Peut-être pas. Ouais, non, c'est chaud. On va avoir 3 là ou 3 là. Ou 4 là. Cut là. Surtout que là, t'es dans la sauce. Et en vrai, ils sont bien paqués. Ta flèche, elle va au moins en tuer 3. Donc il restera juste celui du haut qui est juste gêné par la glace. Hop. Et du coup, Klaus, pour ton deuxième repas. Je tourne avec lui le scorpion. De quoi ? Je vais attaquer. Il a tout pris le token du scorpion et il tourne en même temps. Je vais attaquer celui-là en me disant que ça aura peut-être des nouvelles saveurs avec avec un scorpion gelé. Je vais le planter. Merde, où est mon... Et eh bien, même résultat, t'as ton scorpion sur ta lance, t'as une deuxième branche réussi, à ton... sans faire les dégâts. Ouais, ils ont un PV. Ah, ok. Et eh ben, je croque dedans. Et okay, en vrai, ouais. Ça a le même goût, mais un peu plus froid. Je vais me retourner vers Sandry et j'ai fait... Je lève mon pouce comme ça. Cuissons bien. Bien. Je vais me retourner prêt à me battre. Prêt à continuer à embrocher et à croquer. J'espère j'économise un repas.
Ah. Avec deux scorpions pour le moment, non. T'inquiète. Hop. Nouveau tour, du coup, il y a des nouveaux scorpions qui vont sortir du sol. Oh. Oh. Et en vrai... Est-ce que Ferb peut arriver en chargeant dans les scorpions ? Tu peux lui faire un jet de charge, ouais. Je sais plus comment on faisait. Et en combat, il a un coup de tête plus morsure. Parce que pour l'instant, il était toujours en haut. Hop. Par là, là. Là, exactement. Et il peut essayer de charger... Là, là. Lolo. Vas-y. Alors là, il aura un petit saut à faire, donc en vrai, si celui-là est plutôt safe, le premier. Mais les quatre autres devant, il peut les strike. Courage, non, c'est pas ça, c'est... C'est où ? C'est dans faire, dans combat. T'as attaque. J'ai pas combat. Ah, si. Dans faire ? C'est bon. Attaque. Oh. Et du coup, ouais, il va sauter un peu haut et il va atterrir dans sa charge. Il va juste atterrir là, un peu plus loin si tu veux, pour qu'il s'arrête. Faire demi-tour. Mais voilà, ouais, il va pas écraser de scorpion. Peut-être pas réflexe. Du coup, sorti du sol, vous avez des nouveaux scorpions. Donc. Il est gros lui là-bas là. Il est gros lui là-bas. Il s'en va. Non. Putain, même lui, vous avez le droit. Il s'en va. Attends, mais hop. Du coup, lui, il va arriver dans le dos et il va foutre un. Les no-bye. Il va mettre un coup de dard dans le dos de l'archer. On peut réveiller ce gros truc là-bas, là. Merde, pourquoi je suis... Alors, ça marche, et bien bonne soirée, bon rendez-vous. Mais il y a un squelette qui est... Et merci beaucoup d'être passé. De bête créée, enfin de... Genre d'un monstre de la taille d'un dragon, quelque chose comme ça, qui est à côté de l'Oasis. Pour l'histoire, je cherchais à le mettre quelque part et j'ai cliqué sans faire exprès. Je m'en suis vu que lors de l'export. Ah non, il est en train de multiplier mes scorpions. Quoi ? Il a dupliqué mon scorpion. Non ? Ah, bah il a disparu. Donc, vous allez voir le dard qui traverse le ventre de l'archer. De quoi ? Il est Nirdef. Non, il s'appelle le Nirdef. Ouais, sa santé. Et ça va être ça à la fin de son tour. Alors, tous les petits scorpions. Quelle est la tendance ? What the fuck, hein ? Oui, deux succès critiques là. Lesquels ? Pourquoi Sylvain il lance 20 des 20 là ? Il s'appelle Sylvain Larcher. Il veut faire mal. 1, 2, 3, 4. Entre vous 4 qui êtes au milieu, je vais lancer 2 des 4 pour savoir qui est touché. Donc. Ah, mais Sacha, au moins, t'es complètement con. Ah si, il y a Ferb aussi. Ouais. Mais comme ça, qui est complètement con ? Odin. Ah. Attends, où est-ce qu'il est mon truc là ? Non, si, attends, je vais faire comme ça. Ouais, non. Ah, mais c'était où ? J'ai trop de compétences. Pourquoi je l'ai pas noté celui-là ? Je crois que c'est lui. Ouais, voilà.
qui va se prendre des succès critiques. Mais lui, il a pas de cible. Pas toi, non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui. Moi, j'ai vu un 6, mais... Ah, ça me régale, hein. Si y a un 4, on réfléchira à comment ça se passe. Du coup, il y a un 2 et un 6. Mm. Du coup, Miri, tu peux me lancer 2d6, s'il te plaît ? Je peux. Ouais, il y en a un pour toi et un pour l'autre. Prends le plus bas. Il l'a dit. Du coup, tu vas te prendre 6 points de dégâts. Non, attends, tu as dit que tu vas te prendre 3 points de dégâts et lui, il va en prendre 6. Et. Tu peux rajouter une piqûre. Aïe. Est-ce que je peux faire ça? Du coup, tu peux lancer un autre D6, s'il te plaît. Ok. Il te donne faim, celui-là, Klaus. Klaus, à partir du moment où il a pari, celui-là, il a salivé. Hein. Celui-là peut faire un repas complet. Il y compte bien. Donc, ah si, il me reste à faire jouer lui là. Ok, donc lui commence à être submergé et à plus réussir à s'en sortir dans son combat. Ce qui voit ses deux, c'est pas de tomber autour de lui. Lui, il est mourant. Lui, il a des trucs qui viennent vers lui. Vers Klaus. Tu peux faire un jet d'esquive, Klaus, là. Je peux essayer de faire un jet d'esquive. C'est ouais, Klaus, hein. Esquive ou parade? Comme tu parades, moi. Faites comme vous voulez, les deux. Esquive ou parade. Ah oui, c'est dans caractéristiques. Oui, l'esquive. Ah, mais c'est la même, en fait. On va tenter l'esquive. Oh, cette esquive est parfaite. C'est tellement fort qu'il s'est transformé en juste son sonore qui a à peine trigger le micro. C'est vrai. Oui. Merde, c'est ce que je veux faire. Ce que je te propose pour fêter ton esquive, c'est que ça te permet de te déplacer de 2 mètres dans la direction de ton choix. Oh bah mec, c'est 2 mètres ici là. Là, là. Là. C'est combien de déplacements qu'on a par tour? Moins de 3,5 m. Moins de 3,5 m? Ah non, plus que 3,5 m, pardon. Plus ou moins de 3,5 m? Non, t'as assez pour l'atteindre, c'est ça que je voulais dire. Ok, c'est bon. Voilà. Et en vrai, il n'y a pas trop de dégâts chez eux pour ce tour-ci. Enfin, chez Scorpion, en tout cas. À part vous. Vous avez joué. Hein. Non, vous n'avez pas joué. Du coup, c'est à vous trois. Donc, Felsen, Isildur, Klaus, en vrai, dans l'ordre que vous voulez. Bon, comme d'hab, non? Vas-y, donc Felsen. Mary? Pardon? J'ai pas entendu. C'est à moi de jouer? Je me retourne. C'est un peu lent. Et c'est lequel qui m'a tapé? Celui du milieu. Et je lui dis, ça va pas la tête! Et je l'ai écrasé avec le marteau. Et il s'est fait piquer les fesses. Putain. Et je n'arrive pas à l'écraser avec le marteau. Ouais, mais t'écrases à côté, celui d'à côté, c'est pas grave. Avec ton tournis, etc., ta piqûre plus te tourner vite rapidement, tu perds un peu l'équilibre. En fait, tu décides de ne pas attaquer. Non, que je vise dessus. Là, et je tape là. Non. Au lieu de faire un tour, tu fais un
tour plus un tour et demi. Je swing un peu trop. Ah, ça tombait par terre. Hein. Vu les PV que t'as perdu. Voilà. Ouais, tout qui est sélectionné. Moi, je me dis qu'il y a peut-être une chance que si on tue le gros scorpion, les autres prennent la fuite. Donc, je me mets à focus le gros scorpion. Est-ce que je suis assez près ou il faut que je me rapproche? Non, c'est bon. Vu qu'en plus, t'es en hauteur, ça. Oh, oui. Très bon. Tu peux lancer les dégâts. Ok. Du coup, tu lui tires dans une des pinces. Tu vois ta flèche qui fait une petite entente. Pourquoi je peux pas baisser ses PV? Connard. Parce qu'il est immortel. Immortel. Tu peux le faire ici ou pas? Mais. Bah, il est vraiment immortel. Bon, faut que je le note. Mais du coup, tu baisses. Enfin, tu vois ta flèche qui se plante, mais sans être très profonde dans une de ses pinces. Okay. Sa mère? Pardon. Est-ce qu'il faut que je lui fasse... Décidément. Ça suffit. Le mute, en fait. Et toi, je peux baisser ton PV. En fait, ma duplication avait vraiment marché. Ah, mais je peux. Parfait. Voilà, je hop. Et du coup, close. Et ben. Barely, un Jured. Moi, je fonce dessus et je lui saute avec la lance pour lui planter dans la gueule. Non, dans le dos, parce que j'ai peur d'abîmer la tête. Perdu les full life. Ouais, perdu. Ok, tu lui plantes ta lance dans le crâne. Non, dans le dos, parce que si j'abîme le crâne, je pourrais pas le manger. Ah, ok. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Hé hé. Tes dégâts. Incroyable. Oh. Je me dégoûte un peu. Hein. Du coup, tu vas taper dans sa carapace et ta lance va ricocher sur son dos, en fait. Et voilà. Mais fais pas de dégâts. Si, juste très peu. En gros, les statuts, c'est par 25%. Il y a les gens blessés, grièvement blessés et mourants. Et après, morts. Et un DM quand vous avez 100%. Nouveau tour. Pierre, t'as pas attaqué. Ah oui, vas-y. Est-ce que voyant cette lignée de scorpions comme ça, il peut charger dans le tas, genre. Comme ça. Tu lui as donné l'ordre. C'est toi qui as vu la lignée en tournant sur PM. Perde oui. Attaque charge. C'est littéralement le nombre d'attaques. Perde utilise charge. Oh là là. C'est pas très efficace. Les deux sont pas avec moi aujourd'hui. Il s'est ciblé lui-même. C'est pour ça que c'est pas efficace.
Ah, et du coup, faut qu'il relance, c'est pour ça, c'est ça? Non. Ah, dommage. Il relance un jet pour chaque scorpion ou pas? Non. Je comptais te faire lancer un jet pour savoir combien, mais... Ah, bah pourquoi pas, moi ça me va. Hein. Mais du coup, c'est un échec. Dommage. Ah si, attends, il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, soit 1 des 10 moins 5. Ouais. Bah, du coup, 1 des 5. Non. Non, 1 des 10 moins 5, parce qu'il peut faire 0. J'en tape moins 3. Voilà. Donc, on a 3 nouveaux qui apparaissent. Il y en a 3 qui sortent du sol. À cause des bruits. Oh, tu veux la canne ? Attendez, on m'interrompt là. Hop. On peut pas attendre demain ? Ok, donc faire des là-bas. Grand bien lui fasse. De longue moi. Attends. Hop. Donc, nouveau tour, je vais juste faire jouer les deux gros et compter le nombre de succès critiques sur les autres. Ah, donc du coup, celui qui est en haut là, en haut à droite, il va essayer de mettre un coup d'art sur celle qui est déjà grièvement blessée, mais comme il sort du sable, etc., son dard va rester coincé dans le sable et quand il va mettre le coup, il va juste le sortir du sable. Oh, il y en a un autre à manger! Il y en a un autre. Bye bye. Et l'autre, il va essayer de mettre un coup de pince à Klaus, qui est venu à son corps à corps. Et il va... t'as le droit à une esquive ou une parade. Je vais tenter une parade. Du coup, tu vas mettre ta lance en opposition de la pince, mais il va avoir plus de force que toi. Et donc, du coup, tu vas prendre 10 points de dégâts moins ta protection de 5, donc tu vas prendre 5 points de dégâts. Alors, attends, faut que je retrouve. Qu'est-ce que c'est là ? Si voilà. On peut faire un clic droit sur votre token et normalement, vous avez la barre de vie en bas. Et vous pouvez mettre le numéro, du coup. À part s'il y a que moi qui peux faire ça. Non, je peux. C'est bon. Elle était buggée, ma fille. Voilà. Ok, alors, le reste des crabes. Oui, c'est une scorpion. Oh, il y a du vin. Ok, alors vous allez voir ici dans la mêlée deux scorpions qui vont se taper l'un entre l'autre. Et du coup, il y en a un qui va tuer l'autre avec un coup de pince. Nice. Voilà. Ils se sont pris ça le choix. Rigole. On ne saurait jamais pourquoi. Ensuite, qui peut encore se battre? Lui, il va essayer de... Non, toujours submergé, il n'arrive pas à s'en sortir avec, avec ses scorpions sur lui. Et l'autre avec son trident, il va essayer pareil de planter des scorpions. Il va réussir de justesse à planter un des scorpions qui est devant lui. Et hop. Là, j'arrive pas à cliquer sur lui là. Hop. Donc à vous. Donc, dans l'ordre Felsen, toujours. Est-ce que je peux essayer de faire comme au golf et faire un balayage de plusieurs scorpions devant moi avec un coup de marteau? Enfin, tu me le demandes. Oh, ça va. Hein. Bon. Et ben, bon. Joli swing. Ah non, merde. Comment ça, tu dois faire... Parce que t'as moins 2 en force du coup. Bah, je sais pas. Ah oui, c'est sur ta force. Je sais pas pourquoi j'ai perdu. Parce que tu t'es fait piquer par le scorpion.
T'as l'état, c'est pas grave tes états, t'as piqûre scorpion brun, ça te fait force moins 2, et du coup pendant 5 heures, t'as des... Attends, j'ai loupé un truc, il y a un deuxième gros, ou c'est quelqu'un qui s'est amusé? Et un deuxième gros. Pas le moment, quoi. Attends, il est bugué lui aussi. Ok. Du coup, listen drill. Je continue de focus toujours le même. Ok. Et bien, en essayant d'éviter Klaus, d'éviter l'archer, etc., tu vas prendre un peu de précaution et du coup, tu vas juste tirer à côté. Ta flèche va se planter un peu plus loin. Et du coup, Klaus, contre son repas. Est-ce que, en regardant un peu le scorpion, je peux remarquer des trucs genre style au niveau de ses pinces, enfin de ses aux extrémités de ses pinces, genre près de son corps, je peux voir des parties peut-être un peu plus molles, une connerie comme ça. Alors, fais-moi un jeu d'intelligence avec avantage, vu qu'en vrai, il est quand même immense. Et tu n'auras pas besoin de cet avantage. Je le fais quand même, parce que... on sait jamais. Et du coup, oui, tu remarques des zones molles, notamment les flancs et le ventre, et la base du cou. Ok. Je suis face à lui ou je suis un peu sur le côté, comme là? Ouais, t'es un peu sur le côté, parce que de toute façon, lui, là, avec son dard, il a embroché le gars qui est devant. Ah, il est toujours embroché dans le gars? Ouais, plus ou moins, ouais. Ça me régale. Bah, je vais faire un pas sur le côté et puis je vais foncer pour claquer ma lance dans son flanc. Ok, bah, fais l'attaque avec avantage. T'es le point faible. Ah. Du coup. Attends, il me dit quoi? Ok. Du coup, il va te voir faire ton petit pas de côté, et puis lui aussi, il va pas te laisser le flanc visible, en fait. Il va... Et du coup, tu vas pas réussir à lui toucher le flanc. Ok. Et c'était tout, donc ça va être à eux de jouer. Donc il va réessayer de te mettre un coup de pince. Non, c'était tout moins de dégâts. Du coup, tu peux refaire ta parade esquive. Je vais retenter l'esquive parce que je suis meilleur en esquive. Effectivement. Bah mec. C'est le même jeu, mais c'est parfait. Donc du coup, ouais, tu vas esquiver sa pince sans trop de difficultés en vrai. Oh putain. Oh bébé. Alors, le deuxième scorpion va être un peu con et il va se planter son dard dans la tête. Dans sa tête. Lequel? Le celui qui est à côté de la prêtresse. Donc, en voulant toucher la prêtresse, il va se rapprocher un peu, puis il va planter son dard un peu à la va-vite et il va se toucher l'arrière du crâne. Et donc, du coup, est-ce que ça a des impacts? Ok. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, il va bien se blesser. Hop. Le reste de la pente, est-ce qu'ils font des trucs lotables? Il y a deux succès critiques. Donc, qui est touchable? Il y a Pferd, le mourant. E4 en fait et Miri. Donc ça nous fait. Attends, si. Non. Une queue à mon 1. Ça fait 1. Et ça fait 1. 2. 3. 4.
5. Et si c'est 6, il se retourne vers l'Isfandril. Un et deux. Non. Tu veux lancer les dégâts contre Ferd? Allez. Il me faut 2 D6. Alors le premier c'est les dégâts, donc il va perdre 3 PV et une protection, donc en vrai ça va. On lui a tapé un peu dans le bas de... Ouais, j'en ai. Et du coup, il a été piqué par un scorpion. Bref. C'est une tête de mort, c'est un peu méchant. Et du coup, le deuxième, c'est le mourant, bah, du coup, qui va juste finir d'être mourant. Ensuite, vous voyez qu'ils sont quand même tous mal en point à se faire picoter à chaque round. Hop. Et est-ce que tu peux me faire une parade, s'il te plaît, pour savoir si tu prends quelques dégâts ou pas? Il y en a un autre qui a pété. Avec le bouclier? Ouais, ouais. Ça protège bien des piqûres. Ok, donc pour le moment, tu arrives à éviter les petits picotements qui peuvent essayer de te faire. T'as l'avantage d'être pas très loin d'eux au niveau hauteur. Puis il a fait un peu fort. Fais gaffe parce que s'il pète dans l'eau, elle est plus buvable. Hein. Ah non, c'est bon, c'est lui qui a pété. Et du coup, c'est à vous, donc, Felsen, ton swing. Alors, je vais me rendre de ce côté. Là, on dit que j'en ai combien, Etico ? Deux. Ah, c'est pas bon. Peut-être que je l'ai gardé plus tard. Bah, trois. Ok. Et je vais jeter un truc là. Ok. Est-ce que tu veux faire un jet d'adresse, savoir à quel point t'es précis? Oui. Et là, on prie. Là, c'est le moment où on prie tous ensemble. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Je vais jeter un caillou. Tu vas lancer comme ça, puis en fait, ça va rebondir là, et ça va rouler un peu vers ici. Ok. C'est un caillou, on ne sait rien, vous inquiétez pas. C'est un caillou qui explose au bout de combien de temps? Je sais pas, je l'attendais 4 et ça compte le nombre de... Vas-y. De rounds. Vas-y. Ou alors, à chaque fois tu fais un dé de 4 et à chaque fois tu le lances, si t'as de la chance ça descend et si t'as pas de chance ça remonte. et ça part que quand t'as fait 4, 3, 2, 1 d'affilée. Bah, ça pètera jamais en fait, c'est un échec. Ok. Noter une croix. Ou un des quatre divisé par deux rounds. Enfin, comme tu veux. T'inquiète, t'inquiète. J'avais pas retenu 4. J'avais pas retenu 3. Donc du coup ensuite merde. Et je crie. Éloignez-vous. En un. Attends. t'as dit ça à la personne qui est là de s'éloigner là? Oui mais je le dis en un. Un réflexe. Mais surtout que je crois qu'elle est à terre en PLS. Ah oui, elle est en PLS, hein, donc elle va pas se bouger. Ouais, mais donc, dommage, moi, hein. Moi, j'ai visé là. Hein. Il voulait savoir son nombre de PV se compte sur deux doigts. Un. J'adore ce coup. Mon truc préféré. En vrai, j'aurais dû viser là, ça retombe là.
Ah oui. Tu tapes dans l'arbre. Aïe, oh, bordel. Genre comme ça, papa. Ouais. Et hop, on invoque un... Et du coup, les sonneries. D'accord que celui qui est à gauche, il est toujours vivant. Les deux sont toujours vivants. Même très bien portant. Nya, 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 nya. Ah si, le gars devant est moins vivant, par contre. Ah. Donc toujours le même, hein, que je vise. Ah ouais. Ah. Non, ça ouais. Saoule. On est proche de la réussite critique en termes de tac et au final, ça fait zéro dégueulasse. Vise l'œil. Ouais, tu vises l'œil et en fait, tu tapes dans la paupière. Et du coup, ça fait très peu de dégâts. Je peux pas changer ses PV à nouveau, mais c'est quoi cette merde? Ah si, je peux. Ok. Du coup, tu fais une encoche sous son œil. Et Klaus, contre son repas, round 3. Eh ben... Je vais tenter de faire une feinte en mode je vais aller d'un côté et en fait bam je vais de l'autre côté et je lui plante ma lance sur le côté là dans le flanc. Vas-y fais-moi ton jet de d'attaque avec avantage toujours vu que tu connais les points faibles. Ok ça passera. Vas-y deux fois. Oh, mais je dégoûte! Et attends, t'avais pas un truc là-dessus, toi? Ça, là, ça fait quoi? Oui, je sais pas de quoi tu me parles, mec. J'ai tellement de trucs. Le frappé logement qui double les dégâts par une bonne connaissance des points vitaux. Alors, pour ça, faut que je sois dans le dos, je crois, mec. Non, ça marche lorsque t'es dans le dos par une bonne connaissance des points vitaux. C'est l'un, l'autre. Moi, ça, c'est triggerable, là. Attends, est-ce que c'est pas sur les zones humanoïdes? Non, même pas. Que sur les animaux. Si, c'est ça. Ne fonctionne que sur les humanoïdes de taille standard, pas sur les monstres, ah oui, esprits, animaux et autres. Eh ben. Okay. Et puis, de toute façon, c'est que à la dague. Ou à l'arme courte uniquement, donc même avec ma lance, ça marche pas. En tout cas, tu vas voir que cette bête saigne comme tout animal vivant, et que quand on lui plante la lance au bon endroit, bah tout de suite ça fait beaucoup plus de dégâts. Et est-ce que j'ai quand du sang sur ma lance, t'as du sang de scorpion sur ta lance. Je lèche le sang. Ça a le goût de sang de scorpion, que tu veux que je te dise. Le MJ qui a du mal à se projeter. Klaus salive à l'idée de déguster son repas. C'est au tour du repas qui va, du coup, maintenant que son dard est libéré, essayer de te mettre un coup de dard. Et va lâchement se foirer à cause du fait que il est bien gêné par le coup de lance que tu lui as mis. Et l'autre, ayant compris que son dard, c'est pas son meilleur allié, va essayer de mettre un coup de pince à la pauvre mourante qui du coup finira par ne plus l'être. Oui. Hop. Il faut que je me banne, il faut que j'arrête. Ensuite, mes chers scorpions, qu'est-ce que vous faites? Hop, on va prendre une... Il y a un 20. Ouais, il n'y a pas de 1. Je me régale. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais elle est morte, elle? Oh non, elle est morte. Ouais, elle est morte. Bon, et mince. En fait, celui-ci, en se déplaçant pour lui mettre un coup de pince, en fait, il va écraser le scorpion qui est juste là. Non,
Et du coup, il s'est empalé sur la patte, c'est ça? Comme une lance? Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Il y a un scorpion mini sur le scorpion géant. C'est un peu une... Merde, comment ça s'appelle? Tu sais, les dessins qui se reproduisent dans l'infini, là. Ah oui. Bref. Un chou. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux... Non, en vrai, ils vont pas trop t'attaquer, eux. Parce que le temps qu'ils se retournent et tout... Ils vont juste prendre le tour pour... Qu'est-ce qui se passe? Pour venir vers toi. Eh non, non, non. Ah, je me trompe de touche. Ah, donc, Alt, je sélectionne tout. J'ai jamais dit ça. Ce RP Scorpion est très magnifique. Hop. Et eux, comme d'habitude, hop, et hop, bon, du coup, je leur enlève 5 PV par tour, pour ne pas prendre de temps. Alors, enfin, celui-ci va réussir à mettre un switch sur les deux scorpions devant lui, et hop, et celui-ci, il en a un peu marre. Est-ce que je n'ai pas... Ouais, comme ça, mais... Ouais, bah, du coup, il en a vraiment marre et il arrive vraiment plus à viser comme il faut devant lui. Et du coup, il rate les scorpions. Est-ce que je peux lui crier de plonger dans l'oasis ou pas? Tu peux. Je lui crie de plonger. Ok. Plonge bah, du coup, du coup, il va se reculer vers là, là. Donc, vous voyez l'eau au niveau de ses chevilles. Hein. Ok. Plongeons, mais voilà, il est là. Et il se dit que t'as une bonne idée parce que du coup, les scorpions ne vont pas aller dans l'eau. Ouais, je sais. Et c'est à Felsen. Eh bien, on va attaquer ce groupe de scorpions là. Ok. Donc, on se prépare à rater son attaque, évidemment. Évidemment. Pas un truc. Je remarque que j'ai plus mes poudres et tout que j'avais avant. Ah non, mais je vais peut-être. Si dans l'ingrédient. Si, c'est dans l'ingrédient. C'est juste que c'est plié. Ah oui. J'ai vu le 2. J'ai été heureux pendant longtemps. Pendant longtemps. Hein. Pendant genre au moins une demi-seconde. Mais en vrai, tu vas quand même réussir à en écraser un avec ton pied, genre une connerie comme ça, parce que... Pas déconner, hein. Parce que le MJ, il a pitié de toi, là. On en a marre, là. On en a un peu marre de t'es raté, quoi. Ouais, gros fort, s'il te plaît. Ouais, gros. Et Ferd, il a pas attaqué au tour précédent. Ah oui, vas-y, ouais. Attaque-le. Donc il a deux charges, Ferd, là. Demi-tour. Il va essayer de rush là. Là. Rush B. Ok. Rugby se cabrille. Oui. Ah. OMG, oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lance-moi un des 9. Super. Oh. Non. T'as fait 9 sur un des 9. Ah putain. Je croyais que t'avais juste écrit 9. J'ai hésité en vrai. Ah, j'ai hésité. Tu peux faire ça en fait. du coup, il va toucher les 9. Alors, les premiers vont se faire écraser. On va dire. Donc, ils vont décéder. Ces deux-ci vont se faire projeter dans cette direction. Et ces deux-là vont se faire projeter dans une direction comme ça. Et deuxième charge de Ferd. Elle est utile. Vas-y, Ferd. Deuxième charge. Parce que ça, c'était celle du tour d'avant. Ah. Et du coup, il charge plus en diagonale vers moi, là. J'arrive à le sélectionner. Ah.
Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, 9 aussi. Non, il y en a 8. Ouais, 8. Ah. Nice. Est-ce que ça peut être celui qui a 10 Solong qui prend les dégâts? C'est lequel? C'est lui, du coup. Oui. Et du coup, on se retrouve juste un peu éparpillé. Voilà, je les ai mélangés. Parfait. Miri, est-ce que tu peux me lancer un des 10, s'il te plaît? Beaucoup de... J'ai pas le 10 par 2. Alors, attendez, je vais faire avec ça. Ah, c'est la distance de... Non. Non. En vrai, c'est beaucoup trop. Je vais pas diviser par 2, je vais diviser par 3. Non, c'est bon, regarde, 4m5 du centre du truc. Ça touche pas notre copain Klaus. Oui, mais ça touche beaucoup trop. En vrai, 3 mètres d'explosion, c'est déjà énorme. Bah, 3 mètres de rayon, c'est la taille d'une boule de feu dans D&D. Bah, ouais, parfait. Mais, Bah, c'est nickel, du coup. Du coup, tu vois, t'as ton caillou. Qui, d'un coup, s'embrase et explose. Et souffle beaucoup de choses sur son passage. Est-ce que tu peux me lancer un D20? Bon, déjà, il y a des choses qui disparaissent. 20. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il fallait faire haut ou bas, mais je fais 20. C'est le dégât. Parfait. Donc, lui... Lui va se retrouver soufflé et monté en l'air carrément sur l'étage du dessus. Oh non! Il y a la jeune dans la... Long. Après, j'ai dit plonger, il cherche aussi. Hein. Hop! Voilà, c'est des blagues. Ils ont pris les dégâts? Ouais, ils ont pris les dégâts. Est-ce qu'ils ont pris les dégâts d'atterrissage aussi? Oui, il y en a un qui est proche de la mort. Hein. Ils sont deux proches de la mort. Hein. Oh putain. Ils ont pris les dégâts d'atterrissage, mais un peu moins que 20 parce qu'ils étaient sur le bord quand même. Et du coup, ouais, l'eau est soufflée aussi. Et pendant un petit moment, le niveau de la mer, Klaus a les pieds mouillés et son scorpion aussi. Enfin, le niveau de la mer. Le niveau de la flaque. Et du coup, peut-être que dans l'opération, vous allez perdre un peu d'eau que le sable qui est là va boire. Les Sundrill. On a prévu de boire ici, alors qu'en vrai, tout ce qu'on a prévu, c'est de manger le scorpion et boire son sang. Quatre boules. Sachez que j'ai un MP de 22h22 qui dit prochain tour, je me fais péter la prêtresse. What the fuck? Je vais utiliser. Attends, lui il est mort aussi. Je vais. Bon, Klaus a l'air de plutôt bien gérer son truc. Donc, alors qu'il est en train de lécher le sang de son ennemi sur sa lance. En fait, il a l'air de s'amuser. Donc. donc je vais essayer de faire une attaque de flèche givrée. Ici, du coup. Ok. Ça touche. Oui. Du coup, hop, genre sur les 4 là. Ouais. Et du coup,
On va retirer ceux qui sont bien dedans. Et lui, hop. Alors, il n'y a plus grand monde. Courage. Ok. Vous allez voir le scorpion fou qui s'enfuit dans le sol. Oh. Voilà. Au dos. Et l'autre scorpion qui va essayer de mettre un coup d'art à celui qui l'a flanqué à nouveau. Et qui va, toujours gêné par la blessure qu'on lui a mis. Putain, j'ai une belle série de merde là. Qui va du coup rater Klaus. Klaus qui est toujours en train de faire ses petits pas de jambes là et qui du coup. Attends, quoi? Il t'a raté. J'ai pas attaqué moi. Non, c'est lui qui t'a attaqué. Mais moi je suis censé attaquer avant lui. Non, c'est lui qui commence le tour. Mais moi, le tour là où Myril a tout fait péter et. Il a pas joué. Ah oui, t'as pas joué après les scénarios, c'est vrai. Mon mauvais. Vas-y, tue-le avant pour annuler le coup de dard. Nickel, bah maintenant j'ai la pression alors que je. Sache que c'est possible. Mais alors, surtout que j'avais prévu un truc rigolo. Est-ce que, en regardant sa tête, tu peux me décrire un peu la structure un peu de sa gueule? Attends, scorpion. Google. Non, c'est chibou. Stop. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que sa tête, elle est collée à son corps ou est-ce que ça fait genre une petite... genre une petite excroissance? Il y a quand même une petite excroissance, ouais. Genre, je peux lui sauter dessus. Enfin, lâcher ma lance, lui sauter dessus, attraper sa tête avec ma main et essayer de lui arracher la tête. Alors, techniquement, oui. Mais vu sa taille et sa force, je sais pas dit. Enfin, il y a un monde où elle te résiste, quoi. Ouais, mais Klaus, il a de la force. Ok, bah vas-y. Ouais, bah c'est ce que je fais. Du coup, je relancerai son jet de dard parce qu'il va peut-être pas agir de la même manière si t'es sur ton dos. Je vais lui sauter dessus, je vais attraper sa tête, je vais tirer de toute la force que j'ai en criant. Vas-y. Je fais un jet de force avec des avantages. Mais décidément. Des avantages, c'est parce que j'ai crié, c'est ça? Ouais. Vous savez qu'il fallait pas que je crie. Je suis en légende! Putain. Chef! Chef, chef! Non. Je vais arracher la tête de mon scorpion! Je l'ai réussi, du coup? Ouais, ouais, ouais. Bah, vas-y, j'arrache la tête! Genre, vraiment, je lui saute! J'ai lâché mon arme! Après avoir goûté son sang, j'ai lâché l'arme! Je lui ai sauté dessus! J'ai attrapé sa tête! Je la déchire! Et là, pendant qu'il y a une effusion de sang qui sort de l'endroit où il y avait sa tête, là je fais. Et puis je commence à bouffer l'intérieur de son crâne. Le boucher, on disait. Hein? Le boucher. Ah, je trouve que c'est plutôt bien trouvé, non, comme surnom. Oui, bon, maintenant peut-être. Avant, c'était pas si. C'était osé, ça, monsieur. Putain, j'en ai marre de ce hockey de merde, là. Ah si, je peux faire ça. Est-ce qu'on peut pas aller sur Escape the Backroom, là, deux secondes, que j'ai peur et que j'arrête d'avoir le hockey, là. Bouh. Ah. Du coup, en voyant Klaus arracher la tête de leur scorpion géant, vous allez voir tous les autres petits scorpions qui vont s'enfouir dans le sol. L'explosion les a pas phase, c'est vraiment le fait qu'il. Bah, c'est un tout. Le fait qu'ils étaient 40 et qu'ils sont plus que 5 peut aider aussi. Et nos deux compères là, ils ont dit quoi de tout ça? Du coup, c'est à vous. Miri, oui. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Et réussir, s'il te plaît.
Parfait. Voilà. Tu sens des vibrations dans le sol qui passent sous tes pieds. Sous mes pieds, c'est quoi comme genre de vibration? Genre quelque chose qui creuse. Genre le scorpion qui s'enfuit et qui passe sous toi, quoi. Ouais, j'ai dit, mais je mets un gros coup de marteau sur le sol. Okay. Attends, non, je mets un coup de tisonnier dans le sol. Ok. Pour essayer de percer quelque chose. Mais c'est un. C'est quoi? C'est un truc qui creuse avec des griffes, c'est un truc qui creuse, mais genre ça rampe, c'est. Ouais, c'est un peu ça rampe, ça se promène dans le sable, quoi. Genre un verre. Ouais, par exemple, ça peut passer. Ah, t'as des quoi. Enfin, ouais, tu sens c'est... que ça vibre, quoi. D'accord. Je monte sur. Mais ça passe, hein. C'est pas quelque chose qui s'arrête sous toi, c'est quelque chose qui passe. Ouais, mais ça fait des tours, je suppose. Non, tu l'as juste senti passer. Une fois. Ouais. De nord vers le sud. Ok. Et nous, on vient du sud, donc on va vers le nord. Je veux dire, par exemple, de là vers là, quoi. Ok, ok. Je dis à tout le monde qu'il y a des vibrations dans le sol, je sais pas si vous les avez senties. Elles sont pas très normales. Donc il va falloir marcher en pattern pas régulier. Et après avoir dit ça, je vais voir le résultat de mon explosion. Dans son centre, descend de 3 mètres environ aussi. Ah oui. Et tu remarques que là où, au centre de l'explosion, le sable est sec. Je veux dire, il n'y a pas d'une légère humidité ou quoi que ce soit. Ça, c'est bizarre. J'ai du délai sur. Sur ce que vous dites. Twitch. Ah. Oui, mais je. Pardon, genre, je t'ai entendu parler IRL et j'ai entendu ta voix bien 15 secondes après. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Écho. Ah oui, quand même. Ça, j'en ai marre de ce qu'il y a à con. Oh ouais, ah oui, pense pas de ma gueule, ok? De toute façon, en plus, non mais, vous savez que depuis tout à l'heure, je me mute et j'ai loqué, du coup... Ouh. Wow. Ah oui, quand même. Du coup, je m'approche de mon truc et pour voir le résultat de mon explosion. Et bah, c'est pas Jojo. T'aurais pas aimé de temps. Ah oui, quand même. Ok. Du coup, c'est genre à part l'endroit où il y avait de l'eau en haut, le reste c'est sec, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est plutôt sec, ouais. Putain, et pendant que je bois en plus. Alors, oui, c'est bizarre. Et du coup, je suppose que l'eau commence à descendre dans le cratère. Oui, c'est ça, l'eau elle va vers le centre de l'histoire que t'as créé. Faut pas te bouiller les pieds. Bof. Donc quoi, qu'est-ce que... Attends, il a vu qu'en quoi c'était ultra... Comment qu'il analyse son cas. C'est sec. Hein. Le sol est sec. Tout l'endroit où il y avait de l'eau, le sol est sec. Ok. C'est étonnant. Du coup, là où tu avais l'explosion. Oui. Là. Et par contre, le reste de la flaque n'est pas sec. Enfin, le reste de la flaque, il y a toujours. Mais le reste de la flaque est en train de couler dans le trou de l'explosion. C'est la gravité. J'ai l'effet donc de Ganymède. Pardon, vas-y. Ganymède. La poussée d'Archimède. Tu remontes à la surface comme ça. Donc pendant que Felsen analyse son trou et que Klaus mange sa tête, qu'est-ce que tu fais, Lysfendril? Moi, je cours vers ceux qui sont near death et je vais essayer, genre le premier là, et je vais essayer de lui faire les premiers soins. Ok. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? Oui.
J'ai dupliqué Lucian Drill. Ok. Du coup, au moment où tu cours pour aller vers vers les deux Pégus, tu vas pas sentir quelque chose qui remonte à la surface et qui apparaît devant toi. Ah, ben il y a un petit cri de surprise. Et qui va de suite essayer de te mettre un petit coup de pince. Rat. Deux fois, mais qui touche le premier. J'ai fait 12. Et du coup, tu vas te lancer les dégâts et par la surprise, tu vas juste te prendre des dégâts. Du coup, tu as quand même de l'armure, donc tu prends 5. Voilà. Je prends de la mort, les gars. Déjà ? Non, ça va. Bah, 5 points de dégâts, quoi. Ouais. Sur 18. Est-ce que je le vois ou pas ? Ouais, du coup. J'ai crié, hein. J'ai crié. Et je dis Klaus, repas. On se déplace et de combien de déplacements par truc déjà ? Je sais plus, j'avais dit 5 ou 6 mètres, non ? Tu peux monter là ? Oui, tu peux. En vrai, il y a pas grand chose, hein. C'est un petit saut. Ok, à chaque fois. Je monte là et je tape. Vas-y. Pardon. Tape. Oui ! Eh ben non, je tape. Vas-y, relance, on va comment faire ça avec l'avantage parce que tu sur son flanc. Oh putain ! Ouais. Ouais. Ouais, enfin, il vient d'escalader quand même. Ah, ouais. Cool. Attends, regarde, je vais lancer un D3 pour savoir lequel je prends. Oh là là. Oh, je pense pas que tu fais chier. Let's go. Oh là là, le MJ qui a trop pitié là, c'est fou ça. Et du coup, je te laisse décrire ce qui lui arrive, comment tu le répares. Eh ben, est-ce que je vois son flanc? Parce que je suppose que le flanc là où je suis, c'est le flanc qui a pris l'explosion un petit peu, puisqu'il était orienté. Ouais, c'est vrai que tu vois un petit peu brûlé. Il y a un angle mort dans sa vue, vu que ça a un peu brûlé. Eh ben, je vais essayer de taper dessus avec le marteau pour essayer de réparer sa vision. Et, okay. Et ça va enfoncer le marteau dans son crâne. Et il va mourir. Et puis il y aura le. En plus, du coup, le scorpion qui est planté sur sa jambe, il a grillé. C'est vrai qu'il est toujours là. Il l'a pas perdu dans le sable. Attends, regarde, je vais le mettre. Bon, arrête, Edwige, là, s'il te plaît. Ouais, bah, j'en reviens, putain. Voilà, il est planté là. Il est. Oh non, il est pas mort, lui. Oh, je pensais qu'il était mort. Si, tout le monde est décédé. Ils sont tous morts là ? Oui. Non, oui, ils sont pas morts. Ah non, pardon. Je crois que tu parlais des scorpions. Non, moi je pense que c'est lui là. Ça va, non, les deux. Il reste deux. Ça va, merci. Tant mieux. Est-ce que le sang coule à flot au niveau de son cou ou pas ? Sur le scorpion ? Ouais. Ouais, bah ouais, tu sais, les insectes et les trucs comme ça, ils ont okay, pas de veines. Je bois goulûment le sang qui sort de son cou. Tu peux te rajouter un bébé. Let's go. C'est ton repas. C'est un PV par repas ? C'est deux. C'est pas beaucoup. Ouais. Ouais, mais tu peux en faire plein par jour. Ouais, j'ai plus les étages. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Donc, si vous comptez bien, il reste quelques scorpions petits qui sont enfouis. Mais sinon, il n'y a plus de gros. Et il reste deux humains. GG. Enfin, il n'y a plus de gros qu'on sait. Oui. C'est ce que j'ai dit. Je vais dépiauter mon scorpion pour goûter à peu près toutes les parties qui me semblent tendres et savoureuses.
Okay. Moi, je tente. Du coup, tu te fais l'équivalent d'un repas du coup sur le total du scorpion. Ouais. Du coup, je peux mettre le deuxième PV du coup. Vas-y. Et si tu t'arranges, tu peux récupérer une ration sur le deuxième scorpion. Ouais, chaque chose en son temps. Déjà, je vais me régaler. Felsen, tu veux prendre des notes d'observation? Je vais récupérer de l'eau. Prendre des notes d'observation pour plus tard, pour mes prochaines expériences. Okay. Et après, je vais m'asseoir pour me poser. Ok. Laisser le poison partir. Ouais. Tu récupères sur le chamal. Est-ce qu'il est un truc, hein? Ah, ouais, sur le chameau quoi, qui est là. Tu récupères sur le chameau les quelques gourdes vides que vous avez bu. Enfin, il était du coup, les deux gourdes vides. Vous en avez bu que deux? Non, trois du coup, une chacun. Ouais, il y a celle de Lysandril aussi, du coup. Il y en a six sur le chameau, du coup. Ouais. Et tu peux les remplir et il reste encore du coup à peu près autant d'eau qui reste dans la flèche. Ok. Donc t'as pris après à peu près la moitié de l'eau avec tes six gourdes. Bah, mieux pour nous. Après, je m'assois contre le mur. Ah non, avec tes 3 gourdes, pardon. Hein? Avec tes 6 litres. Ok. Lysandril. Bah, je fais les premiers. J'essaie de faire les premiers soins à celui qui est en train de crever. Ninja, là. Tu vois des traces de piqûres un peu partout, d'explosions. Mais il n'y a pas de sang qui coule ou autre. C'est vraiment juste de la continuité, quoi. Mm. Ok, tu peux lancer un D6 pour sa vie. Mais son état sera stabilisé quoi qu'il arrive. /R. Ouais. Non, il est content. Il est toujours mourant, je pense, mais il va mieux. Ah, vous avez plus les enfants. Moi, je vais aller voir pour lui. Info, il a 7 PV sur 45. What the fuck, attends, hein. Que pendant que tu dépiotais tout ton truc, 45. Ah, ok. Bon, tant pis, j'irai pas voir lui. Du coup, je pense le deuxième pour l'autre. Il y a plus de PV que moi, ce petit con. Incroyable. Qui, quoi, 45? Du coup, tu as sur l'autre, c'est ça? Oh, putain. Incroyable. 45. Ouais, parce qu'il a 45 PV. Il a 10 PV actuellement. Et je vous donnerai pas le total. Mais tu te rends compte que c'est plus de la moitié de... Il n'y a pas la fin de ta phrase. Mais c'est les tontons. Je pensais vouloir dire le double. Ah. T'as pensé? Ah non, ok. Donc du coup, Klaus, qu'est-ce que tu voulais faire? Putain, du coup, je m'entends en écho, je l'ai dit. Bah du coup, si là, moi j'ai fini de manger et tout. Ouais. Je vais... Et que... Lysandril est en train de s'occuper de lui, moi je vais aller là-bas et je vais dépioter lui et je vais mettre de côté les... Ok, du coup vous pouvez rajouter une ration sur le chameau ou si quelqu'un veut la manger ou autre. En tout cas vous avez une ration. Je m'occupe de la marque. Bah, je propose qu'on partage la ration en deux et qu'on donne une moitié aux deux mourants. Mais ils ont leur ration, non? Si tu fais ça, quoi, non, ils avaient dit qu'ils avaient faim. Je sais pas, j'ai pas écouté ce qu'ils avaient à dire, j'étais en train de remplir. Ils avaient dit qu'ils avaient soif et qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient soif et qu'ils avaient faim. Oui, mais ils sont deux fois moins maintenant. Ils ont moins de rations à partager. C'est ça.
Ils ont plus besoin de trade. Alors, les Sandrill, tu remarques que sur la personne qui est devant toi, il y a des marques de bronzage d'un sac à dos qu'il n'a pas. Et pareil, vous remarquez que du coup, l'autre n'a pas de sac non plus, en fait. Dans DS sac. Dans DS le sac. Et les deux autres non plus n'avaient pas de sac. Mmh. Du coup, j'essaie de lui demander où sont ces provisions que je puisse donner un peu à manger. On en a plus. Comme ça. On a voulu se promener dans le désert. On a tout mangé. On n'a plus rien. On est à sec. Et du coup, notre con de prêtresse qui a voulu faire un sort d'eau et ça a merdé, ça a fait un sort anthropique. C'est pour ça que tous les scorpions sont arrivés. Mais au moins, il y avait de l'eau. Non, non, l'eau était déjà là avant. Elle a voulu en mettre plus. Ah. Je vois les jets de premier soin sur le stream, Lightvision. Pas mal, ça. Là, actuellement, là ? Attends, si je fais F5. What the fuck, hein ? Ah, bah, après, je suis en rouge, là. Hein. Ah non, si je fais F5, je vais quand même rattraper le retard. Là, je vois la Klaus qui se déplace vers le scorpion pour le dépecer. On est loin de la sortie du désert. Une paire de jours, la patte, en pleine forme, vers le sud. On sortira jamais de ce foutu désert. Mais si, il suffit d'aller vers le sud, tout droit. On tiendra jamais 2 jours dans notre état. Si vous voulez, mais nous on va vers le nord. Et si vous voulez nous accompagner, c'est peut-être pas une bonne idée. Plus ouais. Jamais je retourne dans ce désert. Je vais voir lui là. Et je vais lui dire. Je peux regarder ta lance ? Tu veux mon arme ? Klaus ne répond pas, il tend juste la main. Donne-moi à manger. Il répond pas, il garde la main tendue. Il te, par dépit et espoir qu'en retour tu fasses quelque chose, il va te tendre la lance. Le double trident. Ok. Est-ce que je peux voir les. Du coup, ce qu'elle fait ou pas ? Oh putain, faut préparer l'arme. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'en rapproche? Si en vrai, je savais qu'elle allait finir avec lui, mais j'avais la flemme de la préparer. Bah bien sûr, une si belle arme. Je l'ai regardé au moins ce qu'elle faisait, quoi. Alors, ça va pas être celle que je vais mettre, mais ça va être des stats qui s'en rapprochent. Attends, est-ce que je peux pas la pimper un peu? Où est mon sont mes items ici? Arme. Hop. Et ça. 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 Hop. Comment je peux vous la foutre dans le chat par contre? Attends, je vais la mettre dans ton inventaire, ce sera plus simple. Hop.
Alors. Du coup, je l'attrape. Et là, je vois qu'elle est pas ouf. J'essaie de faire un mouvement avec. Et je lui tends et je dis: normal, toi, pas fort avec ça. Et je lui redonne. Et je vais aller me baigner. Je vais me foutre dans la flotte comme ça. Et je vais me Je détendre. vais te baigner dans 6 litres d'eau. Je peux aller un peu plus vers ici, genre parce que le peu d'eau qu'il y a coulé vers le cratère. Il y a Et bah. genre il y a 6 litres quoi. Un peu Ah. d'eau. Ah bah oui, parce qu'il a tout vidé avec les gourdes, l'autre. Ouais, il a pris la moitié, mais même il y avait que 10 litres à la base quoi. Ça remplit pas un fond de baignoire. Et bah je vais tremper mes pieds dedans pour me rafraîchir. C'est les plus potables. J'avais chaud aux pieds. Je comprends, marcher pieds nus dans le désert, c'est pas la meilleure idée. J'avoue, comment ça se fait qu'il a pas eu de problème jusqu'à maintenant? Non, en vrai, vos tokens sont pas adaptés, mais vous avez des tenues adaptées au désert. J'ai même pas mis la peine de les mettre dans votre inventaire, mais vous avez ce qu'il faut pour tenir contre le chaud et contre le froid de la nuit. Moi, je me repose du poison. Et du coup, t'as celui-ci qui va ramper et qui va commencer à boire l'eau qui est au niveau de tes pieds. J'ai un sage faire. Je vais Oh. partir. Je vais aller voir Hansen et Quel je vais voir bâtard! Hansen et je vais faire. Et je vais rapprocher de lui doucement et je vais faire. Ils sont bizarres. Il dort, je crois. Herbidor? Il est mort? Non, il est empoisonné. Ah. Parce qu'il a le même tête de mort que les scorpions qui sont morts. C'est vrai que le logo est pas bon. Du coup, faire d'a besoin de premiers soins ou quoi? Ou Je ça passe pense tout que seul? non, c'est du poison qui va s'évaporer comme le mien. Okay. Ça va partir. Disease invisible. Vous le voyez toujours là ou pas? Ouais. Non, mais il est en squelette. Ça m'allait. Vu qu'ils ont été dépouillés. Trop bien. Lui, c'est moi. Non, je suis fatigué. Ouais, mais de toute façon, au pire, on est dans Pensez en un. général. Ouais, mais de toute façon, je pense que là, je pense c'est un bon moment pour Du coup, vous s'arrêter. en faites quoi des deux là? Vous les abandonnez là? Ben, je sais Enfouis. pas. On leur Et vous dit repartez aller vers le vers le nord? sud. Vers le sud. Non, mais vous allez vers le nord quoi. Plus ou moins. Bah, Voilà. ben, et les salaires, est-ce qu'on les ramènerait pas et on repartirait? Là, ouais. on va où? Ah, si on continue vers le nord, on... Ah non, on est à l'oasis de Tarboul. Non, vous êtes sur un oasis. Genre, on vous a donné des petits oasis un peu partout sur la route, quoi. Bah, Et du coup, on peut vous aller êtes. à l'oasis qui est au nord, qui est pas très loin. Il y a une demi-journée de route, ça pâte. On va dire que Il vous y a avez même ça deux comme info jours de pour les bon oasis. conduit. Ah, ici, il doit être à 2 heures de route, l'oasis, là-haut. En vrai, là il y a 39 km, ouais c'est ça, il y a un Ouais, du coup, tir. si on leur dit, bah, si vous allez au sud pendant 10 km, bah, vous C'est vrai arrivez que. à Gaverville. Vous allez pouvoir le faire.
Vous allez pouvoir survivre, les copains. Merci. Est-ce que, avant de partir, vous pouvez enterrer Théodore et Nirol? Oui, on s'en occupera. Ne quittez pas. Et du coup, lui, pareil, au final, il aurait été boire un peu l'eau qui était là. Et vous les voyez partir un peu désespérés vers le sud. On est d'accord qu'ils n'arriveront jamais vivant là-bas. Klaus fait des grands signes de bras en mode « Au revoir !» Vous ne l'aurez pas du tout totalement mangé, même, d'accord. Ou ouais, quelqu'un l'a fait en douce. Non. Et bien, on peut s'arrêter là pour ce soir. Parce que de toute façon, j'ai pas forcément beaucoup plus derrière. D'où le fait que je voulais un long résumé. Ah, quel bâtard. En vrai, j'ai des choses, mais j'ai pas forcément. Enfin, ce sera à force que du non visuel. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à les mettre en scène. Est-ce que je peux essayer de non, je sais pas, recrafter dans le plein milieu du désert. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Bon. Et non, Kiri, tu ne relanceras pas un des 20. Bon. Va trouver de l'or alors, dans ce désert. Alors que techniquement... Ah. Bah, peut-être qu'après, je trouverai l'or en... Dans le campion là. En passant à côté de la prêtresse là, je lui ai mis un coup de pied dedans sans faire gaffe et il y a des pièces qui sont tombées de sa poche, t'as vu. D'ailleurs, la prêtresse n'avait aucune arme du coup. Et par contre, l'autre il a un arc si jamais. C'est un arc assez simple et une dague assez classique aussi. Ok. Et ils avaient pas de sous, pas de. C'est plus rien. Le sac à dos, les pauvres, c'est pour ça qu'ils sont morts, c'est parce qu'ils sont pauvres. Peut-être qu'un jour vous retomberez sur leur sac. Peut-être qu'un jour vous comprendrez qu'ils ont abandonné leur sac sur la route pour aller plus loin, plus léger. Non, je comprendrai jamais. Je pense pas. Paf! Sac à dos, c'est le nom du chameau. Si vous voulez. Ouais, je le renomme. Let's go. Vous pouvez le renommer aussi. Vous êtes tous propriétaires du chameau. Ah ouais? Sac à dos. Ouais. Vous pouvez faire autant de choses sur le chameau que sur votre jeu perso. Tu peux lui mettre une description si tu veux. Tu peux lui faire un lore. Je vais lui faire ce chameau avant. Un lore. Hop. Je sais que c'est un lore. Ok. Bah, c'était plaisir d'avoir repris en tout cas. Bah, yep. Ouais. Ouais. Je suis trop content. J'ai battu contre. À chaque fois que je fais des décisions de gros bourrin, ça fonctionne. Ça m'encourage pour et la suite. Et du coup. Kiri, sache que si t'étais transformé en boule de feu, le combat aurait été nettement plus rapide. Je sais. Voilà. Mais il a de la magie. Il est magicien, Kiri. T'es à des kilomètres de ton micro. Oui, Miri. J'ai cru que tu disais. Mais non, il peut pas faire ça, c'est pas vrai. Ah bon? Moi, j'aurais pu aussi faire boule de feu dès le début. C'est vrai. J'en jetais 2-3 dans le tas et puis hop. De sortir. En fait, j'y ai pensé, hein, mais après, je me suis dit, bon, c'est pas cohérent.
C'est pas parce que... Cohérent d'utiliser la magie que tu viens d'apprendre. Bah non. Bah pas pour Klaus, non. C'est vrai. Vraiment, même si j'avais... comment on appelle ça? Même si j'avais les comment on appelle ça, les meilleures compétences du jeu, si c'est pas cohérent que Klaus l'utilise, je l'utiliserai pas. Hein. En fait, tu vois, si en jouant le bourrin, il voyait que ça marchait pas, il chercherait d'autres solutions. Mais comme quand il fait le bourrin, ça marche à chaque fois, bah il cherche pas d'autres, il cherche pas autre chose, il se dit bah ça marche, je vais faire ça. Tu vois? Quand je ferai 3 échecs sur des trucs de bourrin, peut-être que je me mettrai à faire à faire des trucs un peu plus intéressants avec mes compétences. Pas avant. Yes. Et ben, je vais vous faire des bisous et je vais aller me pieuter. Bah, moi aussi, je vais faire des bisous et je vais aller étendre mon linge. Ah, bah super! En fait, moi, chaque fois que je fuis le mardi soir, c'est toujours ça en fait. Et vous savez quoi? C'est au moment où on va couper que OBS il se dit c'est en vert. Ouais, bah, on a moins de trucs à lui faire, travailler. Super. Il est en mode c'est mon moment. Yes! Je me réveille. Mais merci beaucoup, en tout cas, c'était cool de reprendre. Ouais, c'était cool de revenir. J'éteins le serveur. Du coup... J'avais pas fini. Mardi prochain, Backroom, mais mardi d'après, on continue. Si vous voulez. Allez. Okay. Soyons fous. Ça me va. Mardi... Ah, attends. Non, si, c'est bon. Moi, c'est le. Je préviens d'avance, mardi 11 juin, je serai pas dispo. Moi, le vendredi 14, samedi 15 et jeudi 13, je suis pas dispo. C'est nickel, mec, c'est pas du tout. C'est pas la question. On s'en fout pas, mais le stream s'en fout. Quoi. Et sinon, le 2, 9 et 16 juillet. 16 juillet au soir, peut-être, mais c'est pas sûr, je suis pas dispo. Ouais, moi, je serai sûrement pas dispo. Ça dépend si quand je rentre, je sais pas. De toute façon, le mois de juillet, on sait que ça va être compliqué, mais... Oui. Après, peut-être que si tu joues depuis tes vacances, tu auras moins de temps qu'elle dit, genre. Au secours. Hein. Oh, ta gueule. Hein. Je me t'emmerde. C'est pas compliqué. Hein. Ça dépend si on aura déménagé ou pas et si on a internet. Dans... Mais on n'aura pas, pas déménagé d'ici là. Ouais. Bon, déjà, c'est juste que je me dis on a du coup des prises RG45 dans toutes les pièces, mais je suis presque sûr qu'il n'y a pas de truc internet à la maison. Bah, on n'a pas pris l'abonnement, c'est sûr. Non, mais qu'on n'a pas de prise internet non plus. Bah si. Bah, c'était des papis et mamie, ils n'avaient pas internet avant. Bah il y avait les prises télé. Donc c'est bon. C'est bon. On est raccordé. Je suis pas sûr, hein. Vu le petit film qui passe. On verra. Allez. Je vous dis des bisous. Bonne fin de live à ceux qui live. Oui, des bisous. Mais des bisous à tous. Merci beaucoup. Ah. Gutenacht. Guten Tag. Hop. Mais voilà, c'était petite session reprise JDR. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était bien cool d'avoir repris. Bon, c'est compliqué en vrai de suivre, enfin de pouvoir vous répondre en fait, de prendre le temps de vous répondre, surtout quand ils parlent, enfin quand on parle du coup, j'essaie de pas trop empiéter sur ce que les autres disent. Mais voilà, donc
on n'aura pas fait grand chose. Un gros combat là pour la reprise. Le MJ s'est fait plaisir. Et du coup, on sait, enfin, moi je vois pas du tout là où c'est qu'on va dans l'histoire et tout. Je sais juste, grâce à moi, la prophétie que j'avais eue, qu'on devait aller dans le désert. J'espère que c'est le bon désert. et par contre, je sais absolument pas qu'est-ce qu'on doit y trouver ou autre. Voilà. Donc on avance. L'Isfandril s'en remet à Felsen et Klaus. Et voilà. On avance, alors pas forcément gaiement, hein, parce que dans le jeu, là, je pense que Lys, il vit pas sa meilleure vie. Hein. Et je pense qu'il va beaucoup souffrir durant ce trajet. Mais voilà, quoi. Du coup, demain matin, on se donne rendez-vous pour un petit mercredi créatif. On va commencer quelques petits fanarts, enfin deux fanarts du coup si on a le temps, de gris. Je pense deux parce que du coup ça sera à la peinture et donc le temps qu'il y ait un fond qui sèche, enfin qu'il y ait la peinture qui sèche sur l'un, on fera des trucs sur le deuxième et ensuite j'aurai comme ça je pense. Voilà. Sachant qu'il y aura aucun, enfin. Il n'y aura aucun spoil en tout cas par rapport à ceux qui auront vu le live. Je vais faire que donc deux paysages qui sont en lien avec des scènes qu'on a faites, qu'on a vues hier. Voilà. Et voilà. Et du coup, après. Qu'est-ce que je voulais dire? Après avoir, je sais pas, faudra voir si peut-être un live sauvage jeudi pour compenser le vendredi. Parce que vendredi soir, il n'y aura pas de live, donc on verra. Et après, du coup, le week-end, Baldur's Gate et Sky. Voyez Walou pour le programme de la semaine. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là en l'heure. Je vois, il y a Tarsaï, il y a Onelis. Voilà. Peut-être d'autres que je ne vois pas, qui sont pas affichés des fois. C'est pas petit les utilisateurs de chat. Mais voilà, merci beaucoup quand même de faire le déplacement à chaque fois. Et sur ce, donc j'ai vérifié, il n'y a pas de copain streamer qui est en live. Donc,